Bon, bien. Odile, ça a commencé apparemment. Ok, merci beaucoup Leïla. Jacques, je vous laisse la parole pour expliquer le fonctionnement et l'interprétation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux interprètes qui sont là à votre disposition. Vous pouvez retrouver la fonction interprétation en bas de votre écran en cliquant sur le petit bouton interprétation si vous êtes sur un ordinateur et sur des dispositifs mobiles. C'est sur les trois petits points en haut à droite. Je vais maintenant dire le même message en anglais pour les participants des quatre coins du monde. So, ladies and gentlemen, welcome to this webinar. If you wish to follow. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire. Si vous souhaitez suivre ce webinaire dans une autre langue que celle qui est la langue originale, n'hésitez pas à faire usage de l'interprétation. Vous trouverez l'interprétation dans les quatre langues actives, français, anglais, espagnol et portugais. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc commencer ce webinaire. Je suis absolument ravie de vous accueillir tous pour ce webinaire sur les perspectives européennes pour les conducteurs de plateforme, qui est organisé donc par Leïla Chaibi et également le syndicat INV. C'est une première mondiale parce qu'effectivement, on a la chance d'être ici avec des représentants d'un peu partout dans le monde, de 9 pays qui interviendront durant ces 3 heures durant lesquelles nous serons ensemble. Et nous remercions d'ailleurs très chaleureusement les collègues australiens qui ont accepté de se coucher très tard, de même que les collègues d'Amérique latine qui ont accepté de se lever très tôt pour participer à ce séminaire. Avant de laisser la parole à Leïla pour introduire le webinaire, je vais rappeler très brièvement les différents moments de ces 3 heures. Donc, nous allons avoir un premier moment avec une introduction qui sera faite conjointement par Leïla Chaibi et Ibrahim Ben Ali. Puis nous aurons un premier temps de discussion, nous donnerons la parole aux représentants des conducteurs de tous les pays qui sont présents ici, c'est-à-dire au moins 9 pays parmi les panélistes pour traiter de différents enjeux, hein, qu'ils soient aussi bien nationaux qu'européens ou aussi bien internationaux. Et puis, nous aurons un troisième temps de discussion avec des acteurs européens, des représentants de la Fédération des travailleurs européens, la Fédération européenne des travailleurs du secteur des transports, de même que la Confédération européenne des syndicats, et puis un représentant du Parlement européen. Et enfin, nous aurons un temps de discussion tous ensemble que nous espérons le plus fécond pour réfléchir à toutes ces questions et ces enjeux majeurs dans le contexte actuel au niveau européen. Donc, Leïla, je te laisse la parole. Merci, Odile. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je suis ravie d'introduire cet événement qui, comme l'a dit Odile Chani, est une première mondiale. Pour la première fois, des chauffeurs VTC des quatre coins de la planète vont échanger entre eux et également avec les acteurs de l'Union européenne. Vous allez entendre des chauffeurs VTC venus du Royaume-Uni, venus d'Espagne, venus de Belgique, d'Australie, d'Équateur, de Colombie, du Nigeria, des États-Unis et puis évidemment de France. C'est donc un événement, et puis un événement que les plateformes, Uber en premier lieu, n'attendaient pas. C'est un événement qui met à mal la stratégie des plateformes numériques, qui surprend cette stratégie. C'est quoi cette stratégie? Cette stratégie des plateformes numériques, c'est d'avoir à la fois une expansion international, plutôt transnational, hein, qui va piétiner les lois nationales, qui va piétiner les États, un peu comme une pieuvre qui étend ses tentacules. Et en parallèle de cette expansion internationale, dans la stratégie des plateformes, il y a le fait d'avoir une parcellisation au maximum des travailleurs, de faire reposer donc ce modèle sur des travailleurs qui sont isolés les uns des autres, qui ne se parlent pas afin de leur faire avaler le maximum de couleuvres. Tout a été réfléchi dans l'organisation des plateformes pour empêcher les travailleurs des plateformes, et notamment les chauffeurs VTC dont il est question aujourd'hui, de s'organiser collectivement. Chacun est tout seul dans sa voiture, ne peut pas s'organiser collectivement, a un contrat individuel qui l'unit à la plateforme.
chacun, on l'a vu à l'échelle internationale, enfin, chacun parle des langues différentes, bien évidemment. Eh bien, malgré ces obstacles, les chauffeurs VTC ont réussi, réussissent à s'organiser collectivement. Partout dans le monde, on le voit, c'est la mobilisation des chauffeurs VTC qui permet des avancées législatives, des victoires. Et puis, on assiste à quelque chose d'intéressant dans ce webinaire et la manifestation, c'est l'organisation internationale, à l'échelle internationale, des travailleurs des plateformes numériques et des chauffeurs VTC. Tout ça, c'est une étape importante dans la construction du rapport de force entre les travailleurs et les plateformes. C'est une étape, ce webinaire d'aujourd'hui, qui fait suite à des précédentes mobilisations. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez peut-être que les VTC d'un certain nombre de pays se réunissaient devant les représentations de l'Union européenne pour dire non à une loi Uber en Europe. Plus tôt, en décembre 2019, on accueillait au Parlement le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation avec des chauffeurs VTC, mais également des livreurs à deux roues venus du monde entier, dont certains sont présents d'ailleurs à ce webinaire. Aujourd'hui, nous organisions ce forum transnational dont nous espérons d'ailleurs que nous pourrons organiser dès le mois de septembre une deuxième édition. Donc, tout ça, je peux vous le dire, moi, depuis le Parlement européen, ça pèse dans le rapport de force. C'est très important. L'Union européenne actuellement travaille à une proposition législative qu'on appelle une directive au sein de l'Union européenne qui va avoir un impact direct dans tous les États membres de l'Union européenne, dans les 27 États membres, mais également au-delà de l'Union européenne. Elle va avoir une influence. Cette directive, elle doit déterminer le statut des travailleurs des plateformes numériques. Et je peux vous dire donc que ces mobilisations et les événements comme aujourd'hui, ça pèse énormément et ça nous aide dans le rapport de force au sein de l'Union européenne à faire en sorte qu'on écoute plus la voix des travailleurs plutôt que d'autres acteurs qui se mobilisent beaucoup ces derniers mois. Je pense à Uber, aux plateformes qui font pression sur la Commission européenne pour imposer en Europe ce qu'ils ont déjà réussi à imposer aux États-Unis avec leur proposition 22, une proposition qui vise à modeler la loi en fonction de leurs intérêts. On a des juges qui disent partout en Europe que Uber est hors la loi, que c'est illégal d'avoir des gens à ses ordres en leur donnant un statut d'indépendant sans les garanties de l'indépendance et sans la contrepartie du lien de subordination. Les juges disent Uber est hors la loi. Il y a deux issues pour l'Union européenne qui est à la croisée des chemins. Soit on change la loi pour l'adapter à Uber, soit on force Uber à respecter la loi. J'ai rédigé avec un certain nombre d'acteurs de l'ubérisation une proposition directive qui viserait à donner à tous les travailleurs des plateformes les mêmes droits que l'ensemble des travailleurs. Et un événement comme celui d'aujourd'hui, ça nous aide, ça m'aide au Parlement européen, ça nous aide au sein de l'Union européenne à faire peser, à faire pencher le rapport de force du côté des travailleurs plutôt du côté de ceux qui ont pris leurs aises depuis un certain nombre d'années au sein de l'Union européenne, qui sont les lobbies des plateformes et qui sont Uber. Alors j'ai l'honneur de co-organiser cet événement avec Odile Chani et le réseau Sharer and Worker. Je voudrais remercier aussi le cabinet Metallo et le maître Jérôme Justi qui nous accueillent dans ces locaux pour ce webinaire aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, j'ai l'honneur de co-organiser ce webinaire avec Brahim Ben Ali, qui est juste en face de moi dans cette salle et qui est un des acteurs majeurs de la mobilisation des VTC. C'est lui qui a lancé, qui coordonne le syndicat INV-VTC, dont on peut dire qu'il est la principale organisation de VTC en France. Et sans plus attendre, donc, je laisse la parole à Brahim Ben Ali pour un mot d'introduction. Merci. Merci Madame la députée, merci tout le monde, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux et si nombreuses. Je voulais vous raconter une histoire de l'ubérisation, ses conséquences qui frappent de plein fouet chaque jour les chauffeurs. Parmi eux, certains y ont trouvé la mort en croyant au doux rêve de l'indépendance. Ils s'appellent Serge, Mohamed et bien d'autres. L'ubérisation a réussi à créer de la dépendance sociale et de l'esclavage numérique. L'ubérisation, c'est de faire croire à chacun qu'il est un entrepreneur, mais au fil du temps, cette indépendance fictive crée des conséquences, l'usure et la pénibilité qui atteignent la santé des chauffeurs chaque jour. Mais c'est aussi une pression auprès de tous nos gouvernements pour créer une nouvelle forme de travail qui a pour but d'enrichir nos patrons, les responsables des plateformes. Aujourd'hui, ce serpent qui s'immisce dans l'Union européenne aimerait mordre avec son venin notre très cher droit du travail. Depuis des années,
nous essayons de trouver un antidote pour nous prémunir de ce fameux venin qu'est l'ubérisation. La question est de savoir, est-il possible de pouvoir construire ensemble cet antidote pour nous libérer du joug de l'oppression. Et oui, parce que chaque jour, ce colonisateur numérique ne cesse de conquérir de nouveaux territoires. En tant que chauffeur privé, nous avions une part du marché du transport des personnes avec les taxis. Uber se l'est accaparé. D'après certains économistes, c'est l'équivalent de 80% du marché qu'Uber a pris. C'est un envahisseur qui aimerait nous rendre totalement dépendants de son pouvoir. Une dépendance comme celle qu'on retrouve dans les jeux vidéo en créant une concurrence entre nous. Tous les jours, c'est à celui qui aura le meilleur chiffre d'affaires. D'ailleurs, jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est persuadé que c'est pour son bien. Au point, finalement, qu'un jour, il y a eu un événement tragique entre deux chauffeurs lors d'une période de majoration. L'un d'entre eux était en train de nettoyer sa voiture pendant que le suivant était obnubilé par la hausse tarifaire. Le temps passe et le chauffeur en attente décide de sortir de son véhicule et d'en découdre avec l'autre chauffeur pour pouvoir rapidement reprendre le service. Le chauffeur, racontant son histoire, dit qu'il ne lui-même ne savait pas pourquoi il était en colère, pour si peu d'ailleurs. Comment en est-il arrivé là? Il explique qu'il était fatigué, il dormait dans sa voiture, il était épuisé. Voilà ce que génère la dépendance aux plateformes. Nous sommes des acteurs téléguidés non consentants. Ils jouent avec nos vies, mais nous ne sommes pas leurs Pokémon. Souvent, on dit qu'on est des Poké-VTC entre nous, hein, et c'est malheureux. L'enseignement que j'en tire, il est double. L'action collective et la régulation des plateformes numériques. Il est indispensable, je le redis, je le précise, c'est très important, de s'unir dans ce combat primordial et d'unifier les luttes qui touchent chacun d'entre nous pour créer le rapport de force pour faire avancer les droits de chacun et chacune d'entre nous. Enfin, il est question de notre avenir dans cette future directive européenne. Chacun doit comprendre que ce qui se joue impactera nos conditions de travail, soit pour la reconnaissance de nos droits, soit pour entériner une précarisation générale et le dumping social. Nos attentes sont très fortes et sont à la hauteur des années de souffrance. Aujourd'hui, je suis ravi que nous soyons réunis pour ce webinaire mondial qui est un moment historique pour moi et tous mes camarades, pour le futur des droits des travailleurs de plateforme. Je terminerai avec une citation de Malcolm X. On ne peut gagner sa liberté que si on montre à l'ennemi que l'on est prêt à tout pour l'obtenir. Merci à vous. Merci beaucoup, Brahim et Leïla. Je pense qu'effectivement, le contexte est posé et les enjeux ont été très clairement exposés. Je propose que nous partions directement sur notre premier temps de discussion et d'échange en donnant la parole à Yacine Aslam, donc, du syndicat britannique ADCU, qui est à l'origine de décisions de justice assez importantes, si on peut le dire, au Royaume-Uni. Et donc de démarrer par un premier temps de discussion, ou en tout cas de présentation de vos enjeux au niveau local. Donc Yacine, je vous donne la parole pour 4 minutes, qui sera la contrepartie de la richesse de nos intervenants, c'est qu'effectivement nous avons une grande contrainte sur nos temps d'intervention. Donc à vous la parole, Yacine. Yeah, hi everyone, thank you. Firstly, I just want to say thank you. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par dire merci à Brian et à Leïla, et j'aimerais dire bonjour à tous mes camarades de combat. En effet, cet événement aujourd'hui, c'est à propos de la solidarité et le fait que nous soyons capables de nous mobiliser au-delà des frontières, que de nous mobiliser avec des chauffeurs VTC à Paris, c'est quand même déjà une victoire en soi, un symbole. Alors, j'ai commencé en mobilisant les chauffeurs VTC en 2014. La première affaire devant les cours s'est produite en 2015 et notre victoire a été remportée étape par étape. Nous avons commencé déjà par avoir une victoire en première instance, puis en appel, puis à la Cour suprême. Donc, nous avons gravi tous les échelons. Une bataille juridique qui a duré 6 ans, tout simplement pour voir nos droits reconnus.
Alors, ce qui est difficile, quand vous regardez la situation des travailleurs Uber en Grande-Bretagne, eh bien, la plupart des chauffeurs VTC viennent des minorités ethniques, issues de l'immigration africaine, d'Asie, etc. Or, Uber nous exploite parce qu'ils savent très bien que nous avons besoin de ce travail pour vivre. Or, il y a une législation au Royaume-Uni, un droit du travail, mais néanmoins, ce que nous avons pu constater, c'est que Uber pouvait en fait contourner la loi et puis qu'ils avaient une armada d'avocats et les moyens financiers pour faire traîner les choses pendant 6 ans. Donc, nous avons face à nous un adversaire extrêmement puissant. Et puis, il y avait également le problème de ce que faisaient les autorités de contrôle du respect de la loi. Par exemple, à Londres, en février, par exemple, nous avons remporté une victoire pour l'économie du partage qui a fait valoir nos droits sociaux. Cette victoire devant les tribunaux nous a permis d'obtenir 12% pour des congés payés ainsi qu'une contribution à la retraite. La Cour suprême considère que du moment où nous nous connectons au moment où nous déconnectons, nous sommes des employés. Mais Uber, en fait, ne nous paye que quand nous transportons des passagers. Et il ne respecte donc pas cet arrêt rendu par la Cour suprême. Et nous avons immédiatement fait une annonce. On a tout de suite vu une annonce disant que, en fait, cette victoire juridique ne s'appliquait qu'aux 25 travailleurs qui avaient porté l'affaire devant les cours, ce qui, évidemment, est une absurdité. Donc, il faut continuer le combat. Ce que nous faisons, c'est que maintenant, nous allons nous battre pour que le statut des travailleurs soit reconnu. Et ce que nous voyons maintenant, c'est par exemple le cas d'Amsterdam. Uber, en fait, se cache derrière une jungle technologique et c'est pour cela qu'il faut porter la chose au niveau européen. Il est vraiment important que nous nous parlions parce que c'est comme cela que nous allons avoir une transparence qui nous permet de lutter efficacement contre la multinationale, que ce soit avec Déborah en Australie, avec Brahim à Paris. Chacun doit ici contribuer à mettre la pression à Uber et compagnie. Il est vraiment fondamental que les travailleurs pour Uber puissent bénéficier d'une transparence. Il faut également que nous sachions comment les données sont utilisées. Par exemple, à New York, le régulateur TEC a été capable d'obtenir ces données. Encore une fois, je pense qu'il est injuste que ce soit les travailleurs qui doivent traverser un processus fastidieux et long pour défendre les droits. Je ne dis pas qu'il y a besoin de nouvelles lois. Ce que je dis, c'est qu'il faut simplement faire respecter la loi. Comme je l'ai dit, ce sont les autorités de contrôle du respect de la loi qui, quelque part, n'ont pas les moyens. Au Royaume-Uni, ainsi, on ne parle toujours pas assez du contrôle du respect de la loi. Donc, avec les données, nous avons des problèmes. L'autorité ici de contrôle, de régulation, c'est l'ICO en Grande-Bretagne et ils ne font pas leur travail. Alors, j'aimerais remercier Leïla. J'aimerais bien que nous ayons des Leïla au Royaume-Uni. Ce serait vraiment formidable parce que cela nous permettrait d'avancer mieux. Et Brahim, tu as vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme Leïla à tes côtés dans ton combat. Donc, le message, c'est quoi? Nous faisons tout ce que nous pouvons pour lutter contre les abus d'Uber. La stratégie d'Uber, c'est de nous isoler, d'isoler les travailleurs. Et depuis notre victoire, au plus haut niveau judiciaire, tout d'un coup, nous avons vu les membres affluer. Et donc, à tel point que maintenant, nous avons du mal à accepter, à gérer toutes les inscriptions. Donc, les travailleurs ont cessé d'avoir peur maintenant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les régulateurs fassent leur travail et qu'ils s'assurent que les lois sont respectées. Il faut que nous ayons plus d'alliés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yacine. Effectivement, qui donne un aperçu extrêmement précis du contexte britannique.
et fait écho tout de suite aux enjeux de la directive. Donc, je vais maintenant passer la parole à Tito Alvarez du syndicat Elite Taxi, qui est à l'origine quand même d'une décision de justice extrêmement importante en matière de régulation dans le secteur des transports de personnes. Tito, je vous laisse la parole pour 4 minutes, s'il vous plaît. Allez, pour moi, très bien. Maintenant. Allez, 4 minutes, je lance mon sablier. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Et c'est un moment historique. Et aujourd'hui, dans un événement comme celui-ci, on invite un chauffeur de taxi et c'est une victoire. Parce que, en fait, le problème avec ces plateformes, c'est qu'elles affrontent, elles montent les travailleurs les uns contre les autres. Alors que les travailleurs doivent avoir tous les mêmes droits et être respectés, chauffeur de taxi ou autre. Je crois que c'était là l'une des grandes victoires, malheureusement, des plateformes. Aujourd'hui, nous devons chercher à défendre les droits des travailleurs. Nous comprenons également qu'il faut des règles, une structure, et pour défendre les droits des travailleurs VTC, il faut une ligne. Ici à Barcelone, nous sommes une association dans la zone métropolitaine avec les fameux taxis jaunes et noirs, vous les reconnaîtrez. Il y a des milliers de licences, plus de 10 000 licences. Et voyez ce que l'on a pu faire pour rejeter Uber. Uber, ici, ne peut pas travailler parce que nous avons opposé une fin de non-recevoir. Nous y sommes véhémentement opposés. La première chose à faire pour lutter contre ces plateformes est de créer, entre les travailleurs, une alternative. Ne pas travailler avec ces plateformes, donc. C'est très compliqué. Quand ces acteurs se trouvent déjà sur le marché, mais il n'est jamais trop tard. Nous avons traduit Uber devant la Cour européenne de justice et nous avons collecté des fonds pour pouvoir lutter. Uber a été condamné à la Cour européenne. Il a été indiqué que cette économie collaborative ne tenait pas la route, que c'était une entreprise de transport comme une autre et qu'elle devait se conformer à la législation dans chaque État membre. Donc je pense qu'avec cette nouvelle directive, ce qu'il faudra faire, c'est imposer des limites, mais également demander aux responsables politiques de fournir une alternative publique où tous les droits, les taxes dans les pays, par exemple, c'est ce que l'on fait avec les technologies, avec la numérisation, ce que l'on fait, c'est de l'évasion fiscale. L'argent va dans les paradis fiscaux. On pourrait, et alors ces entreprises utilisent leur position dominante pour faire pression sur les États, sur les politiques. Et c'est un peu la lutte de David contre Goliath. Je pense que les principaux responsables de l'absence d'alternatives sont les pouvoirs publics. Car en effet, c'est à eux qu'il appartient de fournir aux usagers une alternative à ce genre de solution. Et on peut y arriver grâce à un effort public. Ça, c'était le point numéro un. Je crois que l'Union européenne et les politiques doivent arrêter de soutenir ces pouvoirs financiers gigantesques. Ces politiques doivent mettre en place des directives qui ne sont pas comme des gruyères, parce qu'à l'heure actuelle, ces gruyères sont utilisées par les usagers pour exploiter la situation. Et l'on voit à l'heure actuelle en Californie ou ailleurs, on parle de conducteurs, mais il y a aussi les coursiers. Après tout, nous sommes tous dans la même situation et ce réseau international doit s'unir. Peu importe qu'il s'agisse d'un coursier, d'un conducteur d'Uber ou d'une autre plateforme. Il faut travailler ensemble. Si après cette rencontre, nous continuons à travailler ensemble, si nous continuons à partager des informations, je pense que cela donnera de fortes migraines à ces plateformes parce que c'est ce qu'elles veulent éviter à tout point. Or, c'est la clé de la réussite. Je pense qu'il faudra se respecter davantage les uns les autres car
sans quoi ils l'emporteront. Et nous devons continuer à promouvoir les mesures qui ont été obtenues. Le taxi et les chauffeurs VTC sont des services bien différents. La technologie permet le deuxième pour appauvrir le travailleur. C'est aussi monter les travailleurs les uns contre les autres. Je pense qu'à l'heure actuelle, chacun travaille dans son secteur et c'est cette fragmentation qui pose problème. À Barcelone, il va y avoir une application de taxi public gratuite pour les chauffeurs de taxi. Et je pense que c'est une grande nouvelle. Et je pense que l'Europe doit renforcer ses services publics. Nous avons deux hackers qui ont fait de l'ingénierie inverse aux plateformes de Uber et d'autres, et nous constatons qu'ils violent les droits fondamentaux. Alors, quand on se connecte à un réseau Wi-Fi, ils utilisent le réseau Wi-Fi, ils volent les données des autres personnes connectées à ce même réseau Wi-Fi, et toutes les 4 secondes, ils envoient des paquets de secondes à des services pour en faire quoi, je ne sais pas. Donc c'est criminel. Ce sont des criminels en puissance, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut appeler un chat un chat. Je pourrais en parler en long et en large, mais vous pouvez compter sur notre soutien, sachez-le, pour lutter contre ces gens, pour l'emporter. Et ici, à Barcelone, nous sommes soutenus. Et quand on veut lutter contre des plateformes toutes puissantes, nous serons à vos côtés, toujours, où que cela soit. Merci. Merci beaucoup Tito, et je pense qu'effectivement on aborde déjà toute la question des enjeux européens donc au travers de ce premier tour de parole. Donc je vous remercie beaucoup effectivement d'interpeller déjà tous ces enjeux de régulation sectorielle qui susciteront certainement des commentaires de la part de nos intervenants dans la seconde partie de notre webinaire. Je vais continuer le tour de l'Europe en passant par la Belgique. Et Asma Saïbi, donc du syndicat de Union des chauffeurs limousines belges, je vous donne la parole pour nous exposer effectivement vos enjeux à la fois locaux, mais aussi au regard de ce qui se noue à l'échelle européenne. Voilà, bonjour à tous. Merci Odile, merci pour cette invitation. Voilà, donc ici je vais lancer mon chrono aussi, comme ça je ne dépasse pas le temps. Et je vais vous faire un petit compte-rendu de la situation des chauffeurs en Belgique, qui est pour le moment vraiment très délicate, puisque ici chez nous, les taxis sont en procès contre la société Uber. Donc c'est plusieurs dizaines de taxis qui se sont lancés dans un procès contre la société Uber et qui avait été le jugement avait été rendu en 2019, qui était en partie favorable à Uber et à ses chauffeurs, mais ils ont fait appel et la cour d'appel actuellement a démantelé tout le réseau et le système que Uber utilise pour travailler avec des voitures limousines en Belgique. Parce que Uber et les autres applications, à Bruxelles, ils travaillent avec les LVC, location de voitures avec chauffeur, et donc par un contrat. Et ce contrat-là, il a été jugé noir sur blanc, frauduleux par la cour d'appel. Mais ce n'est pas un jugement qui a été rendu définitif, puisque la cour d'appel a posé 2 questions à la cour constitutionnelle par rapport à la législation des chauffeurs LVC. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les chauffeurs sont complètement illégaux pour le moment. Donc, ils continuent à travailler, puisque la plupart n'ont rien d'autre comme activité. Il y a eu des contrôles
après que la cour d'appel s'est positionnée ainsi, il y a eu des contrôles. Suite à ces contrôles, il y a des PV. Suite à ces PV, les chauffeurs risquent la saisie de leur véhicule et la saisie de leur licence, peut-être l'interdiction de ne plus jamais renouveler leur licence, des amendes. Voilà, les chauffeurs, en fait, ils ont une infinité de responsabilités sur leur dos tout en continuant à risquer à travailler pour cette plateforme-là. Donc, nous avons organisé une grande manifestation pour ces chauffeurs. Le ministre de Bruxelles a promis de réformer le secteur taxi et limousine, peut-être uniformiser le secteur en augmentant le numerus clausus et ainsi uniformiser le secteur pour que tout le monde puisse travailler. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Et en attendant, les chauffeurs, ils travaillent la peur au ventre, malheureusement. Et si jamais il y a une saisie ou un PV ou quoi, voilà, c'est eux qui vont malheureusement en assumer les conséquences. Voilà. Parce que le contrat PRA que Uber utilise, ce contrat qui les relie avec les chauffeurs, LVC, ne respecte malheureusement pas la législation de ce secteur, LVC, puisque le secteur de la limousine ne peut pas travailler avec des courses instantanées. C'est des contrats au préalable de minimum 3 heures, minimum 90 euros qui doivent être faits et sans l'utilisation d'appareils émetteurs-récepteurs dans le véhicule. Voilà, ça c'est les deux infractions que les chauffeurs reçoivent par avertissement quand ils sont contrôlés en plein boulot. Voilà, donc on attend, on espère que le ministre-président de Bruxelles, de la région de Bruxelles, puisse réformer tout cela, mettre des règles, que ce soit équitable pour tout le monde. Il parle d'application régionale, une application régionale en Belgique. Voilà, on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer aux chauffeurs et on attend de voir comment... c'est quoi l'avenir des applications et est-ce qu'ils auront toujours une place à Bruxelles? Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Asma, c'est vrai qu'effectivement ça illustre totalement la difficulté qu'il y a à avoir pour une activité donnée des acteurs qui ne sont pas assujettis aux mêmes règles sectorielles, qui est un enjeu majeur dans le contexte présent. Je propose de quitter le continent européen pour aller en Équateur et donc effectivement enfin, rendre compte aussi des enjeux nationaux sur ces sujets qui sont très, très, très similaires hein, à ce qu'on connaît en Europe. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a un webinaire qui est mondial. Et donc, je vais vous donner la parole, Raoul, pour nous faire votre témoignage sur les enjeux que vous percevez, vous, en Équateur, sur la question des chauffeurs. Raoul, la parole est à vous. Hola, buenos días. Buenos días. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi à l'Europe et bon matin à l'Amérique. Alors, je suis un conducteur d'Uber depuis plus d'un an et demi. Je viens partager mon témoignage avec vous. En Équateur et en Amérique latine, que se passe-t-il? Nos pays sont touchés par la pauvreté, la faim, des nécessités extrêmes des populations. Ils sont soumis aux applications, aux plateformes numériques. Ils acceptent de réaliser un travail en échange d'une faible rémunération. Se soumettre à un esclavage moderne au terme duquel les plateformes posent de nombreux problèmes aux situations. Uber et autres saisissent la situation politique et rendent leurs partenaires, leurs collaborateurs, de véritables esclaves.
políticos hacia el centro, hacia su mentalizador, creador o propietario de plataforma. Il cherche à accaparer la richesse et en raison de la pauvreté, dans de nombreux domaines, des ingénieurs, des comptables, des architectes réalisent ces activités pour augmenter, pour améliorer leur fin de mois. Les personnes qui travaillent sur ces plateformes travaillent sans protection de l'État, sans protection du gouvernement, des municipalités. Nous ne sommes pas reconnus comme des travailleurs. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de sécurité sociale, nous n'avons pas de vacances, de congés maternité, entre autres. Et donc, nous travaillons au détriment des entreprises qui profitent de nos besoins, de notre faim, de notre volonté d'aller de l'avant. Nous travaillons derrière un volant, sans manger, sans aller aux toilettes, sans prendre de pause. Nous nous exposons à des risques très graves, à des délinquants, au contrôle de la police aussi. Je pense que nous sommes soumis aux applications, aux entreprises, aux autorités et aux nombreux clients. Les contrôles de circulation de la police aussi. Il faut signaler que l'entreprise Uber n'est pas légalisée en Équateur, comme dans une grande partie du monde. Et donc, personne ne nous protège contre cet opérateur. Pour l'Équateur, je voudrais que, grâce à des événements comme celui-ci, nous pouvons changer la situation. Nous pouvons aller de l'avant pour que les plateformes puissent nous donner du travail, mais nous protègent aussi en tant que travailleurs, en tant qu'êtres humains qui ont besoin de ce travail pour survivre. En tant que conducteurs, que chauffeurs, nous devons être reconnus face aux autorités locales pour pouvoir continuer à joindre les deux bouts. Nous devons redoubler d'efforts pour être reconnus en tant que travailleurs. Et nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas protégés, nous sommes confrontés à la COVID avec les passagers que nous devons prendre. Nous déplaçons les gens pour que nos villes, tout particulièrement Quito et autres, en Équateur, puissent continuer à tourner, car le risque de recours au transport public est considérable. Qui se charge de nos médicaments, de nos soins de santé? Personne. Nous voulons des droits et c'est ce que nous recherchons en participant à ce genre d'événement. Merci Odile et merci à vous toutes et tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Raoul. Effectivement, ça montre bien tout l'enjeu qu'il y a à apporter des protections aux travailleurs, où que ce soit dans le monde. Je propose de continuer ce tour de parole par Ayoade Ibrahim. Vous êtes Nigérian et vous êtes cofondateur du syndicat National Union of Professional App-Based Workers. Et effectivement, vous pouvez témoigner de tout à la fois la situation dans votre pays, où l'actualité est relativement intéressante et importante, avec en particulier… Bien, gracias a Dios. Tú? Ah, je m'entends en espagnol. Une augmentation récente des tarifs par Uber et que vous nous expliquerez sans doute, je pense. Et sí, puis aussi, le GL y la matrícula está en la gaveta. Vous avez aussi le témoignage de tout ce qui se passe de manière plus large en Afrique. Bueno, je vous laisse la parole. Cuídate, ciao. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, je viens du Nigeria et je voudrais partager la situation. La situation se dégrade depuis 2014 à Lagos. Notre activité fleurit. En 2015, le marché a fortement évolué. En 2016, Uber a réduit nos rentrées de 40%. Ça, c'est le début des problèmes au Nigeria. Depuis lors,
on vit au jour le jour, à la minute même. En 2016, un mouvement a été lancé au Nigeria. L'assentiment de chaque conducteur à Lagos se fait au niveau individuel. Et les conducteurs ont cherché à se rassembler à Lagos et à Abuja. En 2017-2018, nous avons travaillé avec les travailleurs du transport au Nigeria et avec les autorités compétentes au Nigeria. Depuis lors, nos membres ont retroussé leurs manches. Et ils travaillent plus que ce qui est autorisé, 60 heures semaine. Et cela génère énormément de fatigue. Malheureusement, la qualité audio de l'orateur rend le travail des interprètes quasiment impossible. Nous nous battons pour vous. Nous avons perdu près de 1000 conducteurs. La plateforme n'a pas continué son travail là. Et il cherche à accéder à la plateforme pour pouvoir faire la demande. Autre problème, l'établissement de législation. Il y a énormément de règlements. Au Nigeria, en 2020, le gouvernement a accusé les conducteurs de ne pas payer les taxes qu'ils devraient payer. Il n'y a pas de véritable réglementation au Nigeria pour Uber. Quand on se penche sur la situation sur le terrain, on nous traite comme des esclaves. Parce que nous devons contribuer au mécanisme. Il est impossible pour les interprètes de faire leur travail. On the paper, they call us like that, just like a slave, or like 2016 to this present time. Are you ready? And the problem. I'm sorry, but there seems to be a problem for the translators to understand you. So maybe you can try to speak a bit slower. On réessaye. Côté interprète, on réessaye encore ou... okay. Je m'adresse aux interprètes. Oui, madame, nous pouvons réessayer. Ok, très bien. Merci beaucoup, Ibrahim. Peut-être vous pouvez synthétiser, Ibrahim. Si la connexion le permet, nous serons ravis d'interpréter. Ok, la connexion est très mauvaise, ce manifestement. C'est la connexion. Ok. Est-ce que je peux continuer ? Demande à Ayoade. Donc, comme je l'ai dit, oui. Le problème que nous avons au Nigeria n'est pas différent des difficultés que vous rencontrez aux États-Unis, au Royaume-Uni et n'importe où ailleurs. Ce sont des problèmes de même nature. Quand nous avons vu l'arrêt rendu par la Cour suprême au Royaume-Uni, cela nous a encouragés. Et nous essayons, nous aussi, de nous engager sur la même voie au Nigeria. À savoir, nous voulons que tous nos droits soient reconnus, tous ces droits que nous garantit la Constitution du Nigeria. Mais ce qui se passe au Nigeria, c'est exactement la même chose que l'on trouve au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda.
Est-ce que il y a une difficulté à communiquer entre nous? Les plateformes ne nous autorisent pas, ne font tout ce qu'elles peuvent pour nous empêcher de nous parler. La semaine dernière, la plateforme Uber a décidé de manière unilatérale d'augmenter les tarifs. Mesure unilatérale, sans aucune consultation. Donc, le prix de la course a été augmenté, mais nous n'en avons pas vu le moindre centime. Aucun bénéfice pour nous. Encore une fois, la bande passante de IOAD est faible. Ce que nous essayons de faire, c'est que de nous battre pour une meilleure rémunération, étant donné que le prix de la course a augmenté. Et pour cela, il faut parler au grand public. La technologie, les nouvelles technologies sont censées profiter à tous. Mais ce que nous voyons, c'est que cette économie dite du partage numérique est quelque chose qui se fait à notre détriment. Et en fait, ces techniques seraient bénéfiques si Uber et d'autres respectaient la loi. La plateforme favorise la fragmentation, l'isolation des individus, et c'est pour cela que cela se retourne contre nous en tant que profession. Ce qu'il faut, c'est donc que nous entreprenions des actions révolutionnaires pour faire en sorte que nos droits soient respectés. Mais IOAD, je vous remercie beaucoup. Effectivement, comme les interprètes ont beaucoup de difficultés à vous entendre avec la bande passante, je propose, et j'en suis désolée, que nous avancions dans la discussion et éventuellement plus tard, vous pourrez bien sûr revenir prendre la parole en espérant que peut-être la connexion sera meilleure pour permettre aux interprètes de mieux vous entendre. Donc, j'en suis absolument désolée. Je vais effectivement proposer d'avancer dans ces discussions. Alors peut-être, on a fait, démarrer par effectivement faire le constat qu'on a fait un tour des différents pays, à la fois à l'échelle européenne mais nationale, et que on proposait de discuter des enjeux locaux, et qu'on voit qu'en fait tout de suite dans vos présentations et vos prises de parole, vous avez évoqué les enjeux européens, ce qui est tout à fait naturel vu le contexte qui nous amène ensemble ici. Mais malgré tout, je propose qu'on revienne justement sur les attentes qu'il peut y avoir au regard de la directive qui se prépare et dont certains participants ici vont être des acteurs importants et majeurs. Et donc de partir sur cette deuxième tour de parole de discussion pour vous de tous les pays européens sur vraiment vos attentes vis-à-vis de la directive et dans le contexte actuel. Donc je propose, Yacine, si vous en êtes d'accord, de vous redonner la parole pour qu'effectivement vous nous exposiez de votre point de vue quels sont les enjeux majeurs qu'on peut attendre du point de vue de la directive qui est en préparation. Yacine, c'est à vous. Yeah, hi there. Oui, bonjour. Alors, c'était vraiment bien d'entendre parler de ce qui se passe ailleurs, mais cela a été dit plusieurs fois, les problèmes que nous rencontrons sont les mêmes. Uber est puissant, ils ont des ressources financières illimitées, leurs ressources sont quasi illimitées, et donc, il n'est pas facile de combattre une structure qui exploite les chauffeurs de cette manière. Et en fait, ils lancent des campagnes, ces campagnes
eux font tout ce qu'ils peuvent pour convaincre les responsables politiques, mais nous aussi, nous menons des campagnes. Et donc, vraiment, il s'agit d'être plus convaincant que ce que nous voulons, c'est forcer Uber et d'autres de respecter la loi. Donc, on peut parler effectivement de nouvelles directives, mais pour moi, en fait, il faudrait déjà commencer par faire en sorte que les lois telles qu'elles existent soient respectées. Si en effet Uber ne respecte pas la loi, les lois qui existent déjà, pourquoi respecterait-il une future législation européenne sous ces différentes déclinaisons nationales? Et nous l'avons vu. Cela vaut pour le Royaume-Uni, cela vaut ailleurs. Et donc, je pense que pour l'Union européenne, il faut s'assurer que quand on parle de ce qui existe déjà ou des futures directives, nous devons vraiment réfléchir aux moyens que l'on se donne pour faire respecter la loi. Parce que avoir un nouveau cadre législatif qui garantit des droits, mais qu'ensuite une entreprise comme Uber décide tout simplement de ne pas respecter la loi, la question c'est quelles sont les sanctions? Qu'est-ce qui va les inciter à respecter la loi? Et cela est conforme à l'expérience que j'ai faite au Royaume-Uni. Uber ne veut tout simplement pas respecter la loi. Et en fait, il est un peu facile. Tout le monde, finalement, assiste en spectateur à ce combat entre David et Goliath, donc les travailleurs contre Uber. Encore une fois, les moyens qui sont à la disposition de Uber sont colossaux. Ils peuvent faire des campagnes pour manipuler l'opinion publique. Ils ont des attachés de presse qui font le travail pour eux. Ce qui est de notre côté, c'est la loi. Mais cette loi n'est pas respectée. Donc, au-delà de la lutte syndicale, de nous organiser, d'une action collective, la question, c'est vraiment tout simplement de faire respecter ce que la loi dit déjà. Et je pense que d'ailleurs, cette situation n'est pas, ne s'applique pas uniquement à l'Europe, c'est quelque chose que l'on trouve ailleurs. Ce qu'il faut, c'est chercher les trous dans la raquette, c'est faire en sorte justement que ces trous dans la raquette ne permettent plus à des entreprises comme Uber de se comporter en voyou. Donc je pense que au Royaume-Uni, ce qu'on a vu, c'est que la Cour suprême, c'est quand même l'instance judiciaire suprême dans notre pays, a bien montré dans son arrêt comment Uber s'est délibérément emparé des trous dans la raquette, des lacunes dans la loi, et en comptant sur le fait que les travailleurs, eux, ne pourraient pas porter l'affaire devant les tribunaux. Et franchement, nous avons eu beaucoup de chance d'avoir pour alliés des avocats qui se sont battus becs et ongles pour nos droits. Nous avons reçu le soutien de nos communautés. Mais franchement, ce n'est pas idéal. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt, eh bien, nous sommes loin, à l'heure actuelle, d'une situation où la loi serait respectée. Les algorithmes, c'est un autre problème. L'entreprise se défausse de ses responsabilités en invoquant les algorithmes. Et je crois que c'est là une tendance qui va de plus en plus se renforcer. Et donc, l'autre question, c'est celle de la transparence, celle que j'ai abordée auparavant. Et puis, Brahim, à Paris, l'a dit notre collègue de Barcelone, nous l'a dit aussi, le contrôle. C'est vraiment, quelque part, la clé du succès. Parce que ce ne sont pas les travailleurs qui vont d'eux-mêmes pouvoir faire respecter la loi sur le terrain. Il faut renforcer les instances de contrôle. Et si cela ne se produit pas, eh bien, nous continuerons à être obligés de nous battre tout seuls. Et c'est une situation que l'on trouve un peu partout. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Yacine. C'est vrai qu'effectivement c'est un sujet que nous n'avons pas abordé, en tout cas de manière aussi précise, c'est celle des contrôles qui est du renforcement en particulier de l'inspection du travail et qui est un vrai sujet dans le cadre des plateformes. Mais là en l'occurrence, effectivement, ça renvoie à la capacité qu'ont les pouvoirs publics
ou en tout cas un certain nombre d'autorités judiciaires à faire respecter les décisions qui sont prises. Et je pense que ça interpelle directement, ça interpellera directement aussi Leïla, Ludovic ou Natalia, nos acteurs européens. D'ailleurs, je vous propose même, si vous voulez en l'état réagir, est-ce que Leïla, tu veux réagir à ce propos de Yacine? Oui, bah, oui, on m'entend. Oui, c'est bon. Oui, merci Yacine. Non, mais rapidement, en fait, là, vous avez pointé tout l'enjeu, en fait. Le projet de directive qui est en ce moment en chantier au sein de l'Union européenne, est-ce qu'il force Uber à respecter la loi ou est-ce qu'au contraire, on légalise la situation qui est en ce moment d'illégalité? Parce que c'est vrai que là, en ce moment, tous les juges disent qu'Uber est dans l'illégalité, mais si, en fait, pendant un certain temps, on sentait que les plateformes étaient dans un espèce de statu quo qui leur convenait. Mais maintenant, même quand moi, quand je discute avec le lobbyiste d'Uber ou de Deliveroo, même eux, ils ne disent pas que le statu quo leur convient. Ils sentent bien que, de toute façon, le statu quo pose problème, parce que le statu quo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les juges disent, dans ce statu quo-là, vous êtes dans l'illégalité, donc vous êtes en tort, donc vous devez respecter la loi. Donc, ce qu'eux cherchent, c'est exactement ça, c'est de faire en sorte qu'on légalise une situation qui est actuellement illégale. Et tout l'enjeu de la directive, justement, c'est pas de créer un autre, c'était le sens de la proposition de directive qu'on a faite, et puis c'est le dans le sens dans lequel devra aller la Commission européenne si elle écoute l'intérêt général et l'intérêt des travailleurs, c'est de faire en sorte non pas de créer des nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes, mais de faire en sorte que ce soit inscrit dans le droit communautaire, dans le droit de l'Union européenne et donc ensuite dans les droits des États membres, que les travailleurs des plateformes doivent avoir les mêmes droits que n'importe quel travailleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où soumis à un lien de subordination, ils doivent avoir accès aux droits du travail et à la protection sociale, sinon, il n'y a pas de lien de subordination et ils sont véritablement indépendants. Mais dans ce cas-là, ils ont pas, la plateforme avec laquelle ils travaillent n'a pas à exercer un pouvoir de contrôle, un pouvoir de sanction, un pouvoir de subordination. C'est bien ça. Pas inventer un autre statut, mais respecter les statuts qui existent, à savoir indépendants et salariés employés. Merci beaucoup, Leïla. Est-ce que d'autres veulent réagir? N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir et réagir à ce qui vient d'être discuté. Et sinon, je propose d'avancer si personne ne lève la main. Donc, Tito, je vous propose effectivement à votre tour de revenir justement sur vos attentes au regard de la directive et en particulier justement sur ces enjeux de statut et de capacité à réellement apporter des protections aux travailleurs et à entériner le fait que dans certains cas des situations évidentes de subordination. Et Brahim, je te donnerai la parole juste après si tu en es d'accord. Tito, la parole est à vous si vous souhaitez vous exprimer. Ok. Ahora. Ça y est. Bueno, yo creo que aquí en Barcelona. Alors, je pense qu'à Barcelone, imposer des normes, de nombreuses normes et règlements, nous a permis de garantir dans une certaine mesure le respect de ces normes par ces entreprises. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, une nouvelle loi vient d'être adoptée, où l'on élimine, pas complètement, mais en tout cas, on élimine les faux entrepreneurs, les faux indépendants. Ce que cela garantit, c'est qu'une entreprise, une plateforme comme Uber, par exemple, soit l'employeur au final. Une personne qui n'a pas de protection sociale, ça ne se peut pas. Il,
il faut une certaine redevabilité de la part de ces entreprises. On ne peut pas tout simplement accepter de gagner de l'argent sans aucune responsabilité. Quand une entreprise gère et a un pouvoir sur le travailleur, lui impose la méthode de travail, lui donne le pouvoir de facturer au client et de payer le travailleur. Et quand cet employeur décide des règles, vous devenez l'employeur, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus un indépendant, vous êtes un salarié. Et donc, une nouvelle loi vient d'être adoptée chez nous, où l'on reconnaît ce droit. Et l'inspection du travail a déjà mis le doigt sur des milliers de conducteurs qui étaient de faux indépendants. Il y avait une période de 3 mois. Il va falloir voir ce qui se passe avec cette loi qui vient d'être adoptée et voir aussi comment cela peut être monté au niveau européen dans le cadre de la directive. Alors, personnellement, je ne sais pas comment garantir l'application de la loi quand on entend ce que vous dites. Et depuis que je lutte contre les plateformes, c'est terrible. Il semble que ce soit pratiquement impossible. Et donc, j'ai toujours voulu insister sur le fait que les pouvoirs publics mettent en place des outils pour donner des alternatives à ces entreprises. Quand j'écoute notre collègue et camarade de Londres, toutes les répercussions après son combat, et nous les nôtres après 2017... Et ensuite, quand on voit qu'aucune loi n'est appliquée, qu'ils s'en moquent, c'est complètement insensé, n'est-ce pas? Je ne connais pas la solution, franchement. C'est pour ça qu'il y a Leïla, c'est pour ça qu'il y a les politiques, les experts techniques, ce sont eux qui ont la clé en main, je pense. Pour qu'une plateforme puisse travailler en Europe, et il faut bien entendu garantir qu'elle respecte la législation. C'est aussi simple que cela. La législation du travail, pour les travailleurs, avec un paiement des impôts dans l'État concerné, et puis les lois doivent être respectées. Sinon, eh bien, on ne peut pas, travailler sur ce pays. Je ne pense pas qu'il faille attendre pendant des années de mépris de législation, parce que ces entreprises méprisent la législation et puis payent de petites amendes et entre-temps amassent des millions. Ces entreprises gagnent énormément d'argent. On voit évidemment de temps en temps des soubresauts sur les cours boursiers, mais quand il y a un changement de législation, mais ce n'est qu'une anicroche et ça ne dure pas. Donc personnellement, je ne sais pas. Je ne connais pas la solution. Ce que je sais, c'est que les travailleurs doivent s'organiser, pas uniquement pour réclamer des droits au sein de ces plateformes, mais plutôt pour créer des plateformes alternatives et dire aux citoyens que cette alternative respecte le droit du travail et toutes les autres législations. Sensibiliser aussi les pouvoirs publics pour que les usagers utilisent des activités commerciales justes, de petits acteurs, et qu'il y ait une obligation de générer une économie circulaire qui a une incidence favorable sur les plus petits acteurs pour avoir une consommation responsable. C'est le rôle des pouvoirs publics, mais aussi des travailleurs. Je pense que nous sommes aussi coupables de la situation actuelle. Nous luttons contre des plateformes qui nous exploitent. Ce n'est pas si simple, mais c'est vrai, il y a des alternatives, des solutions de rechange que les travailleurs doivent exploiter et qui respectent la législation. Mais c'est vrai, il y en a de moins en moins, parce que les autres acteurs comme Uber prennent un monopole. Mais je pense que c'est ça la clé, des solutions de rechange. Travaillez là-dessus. Uber, à Barcelone, depuis 2 mois, a lancé son application pour les taxis. Il n'y a pas eu un journaliste ou un citoyen qui a été en mesure de prendre un taxi Uber.
Et pourtant, ils font de la publicité. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le chauffeur de taxi refuse, tout simplement. Et après, la vie continue. Et sans Uber, la vie va mieux, croyez-moi. Je pense qu'il faut sensibiliser la population, lui faire comprendre qu'il faut consommer local, que cela engendre un avantage pour le bien-être de toutes et tous. Mais c'est difficile parce que le marketing est terrible de la part de ces entreprises. Voilà pourquoi, dans notre collective, nous disons toujours que si nous ne nous serrons pas les coudes, ils vont nous détruire. Malheureusement, en effet, nous vivons dans un monde à la mémoire courte. Lors de la pandémie, lorsque nous étions tous confinés, nous étions tous sur nos balcons pour applaudir à 20h le personnel des soins de santé. Mais maintenant que tout le monde peut sortir, on oublie les soins de santé, n'est-ce pas ? C'est ça la nature de l'être humain. Et je pense qu'avec cette directive, il faut tenter absolument d'éviter qu'ils puissent en profiter et ne pas l'accomplir, parce qu'ils vont continuer autrement comme si de rien n'était. Il est très bien, la directive, nous n'allons pas la respecter, on va payer l'amende, c'est tout. Et ça, il faut l'éviter. Et ils profitent toujours du temps qui passe pendant ce temps-là. Et sinon, il y a toujours l'organisation des travailleurs et de trouver d'autres solutions, des solutions de rechange, c'est tout. Merci beaucoup Tito pour cette intervention très riche. Il nous rappelait qu'effectivement le meilleur moyen de faire appliquer la législation, c'est déjà qu'il y en ait une. Et aussi de rappeler aussi l'importance qu'il y a à sensibiliser le consommateur et les citoyens sur ces sujets. Et espérons que ce webinaire qui est enregistré et qui sera diffusé et disponible sur les réseaux sociaux pourra en quelque sorte y contribuer un peu. Je donne la parole à Abrahim, puis à Angela pour les États-Unis. Merci d'avoir donné la parole. Donc, il est important pour moi de parler du statut des chauffeurs, mais je vais parler déjà de ce qu'il y a en France, qui est important. On avait saisi l'inspection du travail parce que nous avons un code du travail. Dans ce code du travail, il y a deux articles justement qui nous permettent de saisir l'inspection du travail en tant que syndicat, c'est l'article 41-21, alinéa 1, sur la pénibilité, quand par exemple il y a des PRDD qui prouvent qu'il y a une pénibilité au travail. Prime, on ne t'entend pas très bien. Ah, pardon, on m'entend ou pas ? Ça résonne. Désolé. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Quand justement on parle de pénibilité du travail et aussi des risques liés donc, à la santé, comme l'article D41-61 du Code du travail, et que l'inspection du travail en off nous dit, écoutez, oui, vous avez raison, vous devez saisir l'inspection du travail, mais qu'une fois qu'on l'a saisi, on nous dit qu'il est très difficile de pouvoir appliquer ces articles-là parce que ben, derrière, on a un coup de pression. Derrière, on a peur justement de subir les foudres comme l'histoire de l'Amazon. On l'a bien vu dernièrement, quand justement l'inspection du travail s'est saisie de la question. C'était l'inspecteur justement en question qui était donc réprimandé et pas Amazon. Et du coup, aujourd'hui, ce qui se passe. Brahim, je suis désolée, en fait, ça résonne. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Est-ce que vous pourriez. Alors, est-ce que là, vous m'entendez ? Je suis désolée. Hein. Non, pas de souci. Je pense que c'est parce que les deux appareils sont connectés. Non, on a coupé. Donc, est-ce que vous m'entendez ou pas ? C'est mieux là, je crois. Là, c'est désolé, mieux. Désolé. Non, pas de souci. Et donc, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les attentes en France sont plutôt orientées dans les directives européennes. Pourquoi ? Parce qu'on a tout essayé en France. On nous trouve des échappatoires aux plateformes. On nous remet en place une espèce de dialogue social avec des élections qui vont durer peut-être dans 2-3 ans. Donc, tout est fait justement pour laisser un échappatoire aux plateformes. Aucune régulation possible. On a bien compris aujourd'hui que le modèle favori de notre gouvernement, c'est justement de plateformiser un maximum justement le transport. Et du coup, on s'est plutôt orienté sur les directives européennes qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce que la présomption de salariat existe en France et elle existe dans d'autres pays justement de l'Union européenne. Et il faut absolument qu'il y ait cette reconnaissance dans l'Union européenne. C'est ce qu'on attend. Ce sont des attentes
de tous les chauffeurs, parce qu'on ne peut pas continuer de dire aujourd'hui qu'il y a une indépendance alors que cette indépendance est fictive. Il faut savoir aussi que la notion du travailleur de plateforme n'existe pas dans le code du travail. On dit souvent qu'il faut dépoussiérer en France le code du travail pour intégrer cette notion-là. Pourquoi ? Parce que ça va justement donner des armes aux institutions. Quand on saisit justement un tribunal, on pourra dire non, aujourd'hui, vous êtes salarié et pas indépendant. Et on le voit au vu des décisions qu'il y a eu au Conseil des prud'hommes. Vous avez par exemple un Nantes qui dit vous êtes salarié et d'autres qui vous dit vous n'êtes pas salarié, vous êtes indépendant. Et il y a des provocations aussi quand on nous dit par exemple vous avez raison, mais ça passe par une action syndicale. On nous invite carrément à nous manifester pour appliquer la loi. C'est incroyable, voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, ce qu'on attend, et c'est important, et c'est pour ça que je remercie la députée européenne, parce que ces directives-là sont très importantes, nous attendons non seulement justement de mettre en évidence cette présentation des salariés dans toute l'Union européenne, pour que ça puisse servir justement à tous les pays, mais aussi, et c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment d'intégrer la notion du travailleur de plateforme dans le droit européen, parce qu'on a un droit européen. Parce que si on intègre cette notion-là, les États membres ne pourront pas encore une fois dire qu'elle n'existe pas. Je rappelle encore une fois qu'il y avait une décision en Espagne qui est très, très importante sur le fait que nous, en tant qu'États membres, nous avions la possibilité de requalifier Uber en société de transport. Chez nous, en France, on a décidé de la laisser comme telle. Je félicite l'Espagne parce que ça permettait déjà, grâce à ça, de faire une jurisprudence. Mais malheureusement, on ne peut pas imposer. Mais même si on ne peut pas imposer, même si les directives existe, parce que Yacine disait oui, ça sert à quoi de créer d'autres lois si elles ne sont pas respectées. Et maintenant, si on crée d'autres lois et on cumule le nombre de violations, on montrera aujourd'hui l'hypocrisie des États membres, tout simplement. Pardon. Merci beaucoup, Brahim, pour ces propos effectivement très clairs, y compris sur les attentes que tu as du côté de ton syndicat pour le contexte français. Je propose de donner la parole à Angela Fogel des Philadelphia Riders des États-Unis. Donc, bonjour Angela. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce séminaire européen. Et en plus, parce que vous avez proposé de parler des enjeux européens, donc, ce qui est d'autant plus effectivement précieux pour nous. Donc, c'est à vous, je vous donne la parole, Angela. Thank you so much for having me. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est vraiment un panel formidable et en fait, je me sens un peu comme une pièce rapportée, je dois vous dire, parce que clairement, les États-Unis ne sont pas exactement le paragon de la liberté, même si c'est un peu l'image des États-Unis. Oui, alors pour les grandes entreprises, les multinationales comme Uber et d'autres, là, c'est effectivement le paradis. Mais quand il s'agit d'éviter l'exploitation des travailleurs, c'est une toute autre affaire. Et j'aimerais marquer mon accord avec ce qu'a dit Yacine. Je pense qu'une nouvelle législation, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, ne servira pas pleinement les objectifs que nous poursuivons si les lois ne sont pas respectées. Une fois que la loi est votée, il faut aussi s'assurer qu'on ait les moyens de la faire respecter. Mais ce que les chauffeurs VTC dans le monde à attendre de l'Europe, c'est que l'Europe mette en avant des normes, et notamment des normes en ce qui concerne la protection des données. Nous savons déjà que la protection des données personnelles est bien meilleure en Europe qu'ailleurs, et nous espérons qu'une législation européenne pour les chauffeurs VTC va également augmenter les exigences. Nous sommes dans une civilisation où on nous dit que les algorithmes, en fait, sont supérieurs à l'intelligence humaine. Or, la manipulation des algorithmes est, au contraire, la source de très nombreuses inégalités. Si je pique 100 dollars à mon voisin, je vais probablement être jeté en prison. Mais par contre, quand Uber se sert dans mes poches, là, c'est l'impunité la plus totale. L'entreprise n'est absolument pas considéré comme ayant un comportement criminel,
quand elle se sert dans nos poches. Donc, nous sommes en fait manipulés par des algorithmes au service de grands patrons. C'est pour cela que nous attendons de l'Union européenne que la législation augmente les exigences par rapport à la transparence dans l'exploitation des données. En effet, savoir comment les données sont utilisées et trafiquées nous permettra de mieux nous défendre et des législateurs comme l'eurodéputé Leila Shaibi nous permettront de mieux défendre nos droits. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci infiniment de m'avoir invité et je vous salue très chaleureusement de Pennsylvanie aux États-Unis. Merci beaucoup, Angela. Alors, vous me donnez tout à fait l'occasion de passer aussi sur le troisième temps de discussion qui est tout à la fois européen, puisqu'effectivement, l'enjeu de la protection des données et des règlements sur la protection des données est un enjeu fondamental à l'heure actuelle en Europe, avec un certain nombre d'initiatives aussi de règlements. Et donc, je suis certaine que nous allons revenir sur ces sujets-là plus tard. Mais l'idée était aussi d'avoir un tour de discussion sur finalement les questions absolument transnationales que posent ces nouveaux intermédiaires, ces nouveaux acteurs, et en particulier au regard aussi de tout ce qui a trait à l'algorithme, au management algorithmique et à la transparence des données. Et du coup, je propose, Brahim, de te donner la parole sur ces sujets, puisque nous savons que ces questions, tu les portes à cœur. Merci de me donner la parole sur ce sujet-là. J'espère qu'il n'y a pas d'écho, vous entendez bien. Voilà, je pense qu'on se trompe un peu sur le cheminement justement de cette histoire algorithmique, parce que tout commence par une base. La base, c'est la collecte des données. Ça va, je pensais, à peu près une bonne année, où justement, après des associations vraiment spécialisées justement dans cette collecte de données, je pense que d'abord, il faut imaginer que l'algorithme est une boîte de vide. Et que justement, pour que l'algorithme fonctionne, il faut absolument collecter quelque chose et alimenter cet algorithme-là. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a utilisé justement des applications qui nous permettent de voir ce qui se passait. Comment on fait et comment on alimente cette boîte qui était vide. Là, on va utiliser notre boîte qui est la boîte de Pandore, c'est-à-dire nos smartphones, nos téléphones. Mais attention, ça ne concerne pas que les chauffeurs, mais les clients. Alors, il faut savoir, on essaye. Moi, j'appelle ça de la connectivité amoureuse, c'est-à-dire qu'on essaye justement d'avoir un client. Et un chauffeur. Donc, si on a un client qui t'attient sur notre côté, il faut absolument qu'on ait 10, 20 chauffeurs en réserve, voire 30 chauffeurs pour hiérarchiser la chose, pour justement plaire au client. Tout est fait pour plaire au client, pas au chauffeur. Donc, on peut prendre 30 chauffeurs et les laisser en attente, d'accord, même au détriment justement de leur rémunération, mais ça ne pose pas de problème à l'autre, parce qu'ils ont besoin d'avoir des chauffeurs disponibles pour justement satisfaire le client. C'est la priorité au client. C'est ça qu'on dit souvent en France, tout est pour le temps, rien pour les choses. Et donc, pourquoi je dis la collecte de données? Parce qu'on a regardé, effrayant, je rencontre, je suis quand même des témoignages de certaines plateformes avec qui on a discuté et justement qui ont peur un jour d'être pris dans la main, puisque je rappelle qu'on a du coup saisi du coup la CNIL. Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste ajouter. Alors, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend bien ou pas? Non, on m'entend? Alors, attendez, excusez-moi, on fait un test, parce qu'apparemment, on m'entend? Oui, continuez, c'est très bien. D'accord, ok, merci. Donc, du coup, ce qui est effrayant, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même une atteinte de vie privée côté client et chauffeur. Puisque, en utilisant l'application, on a vu qu'il y avait énormément d'autorisations demandées à notre insu via le smartphone. Ce qui est effrayant, c'est qu'on a accès à notre boîte de Pandore, c'est-à-dire à nos habitudes, nos déplacements, tout ce qui façonne notre personnalité côté chauffeur et client. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc, vous pouvez retrouver cette expérience chez Tinder. Il y en a beaucoup qui connaissent cette application-là. Tinder, en fait, Tinder, c'est de matcher justement avec le profil. Pour que justement tout fonctionne, c'est-à-dire voilà, tel profil doit connaître le profil. Et c'est fou parce que ce sont des technologies existantes qui vont essayer de répliquer du côté chauffeur. Et on se posait la question en disant pourquoi à chaque fois ils ont besoin de chauffeurs comme là aujourd'hui, Uber,
est en train de demander au gouvernement justement de faciliter l'examen pour avoir encore un maximum de chômeurs qui disent nous aujourd'hui, on n'a pas assez de chômeurs. Alors que quand on regarde la part du gâteau, elle se réduit. C'est pour ça qu'à chaque fois on se bat pour un nouveau chômeur. Attendez, il y a une limite quand même. Il y a un gâteau qui correspond peut-être à 100 personnes, on ne peut pas mettre 1000 à 10 000 personnes pour venir partager ce gâteau-là, ce n'est pas possible. Et du coup, on se rend compte que tout ça est lié. Tout ça est lié parce que la collecte de données permet de créer justement plusieurs chômeurs qui vont être disponibles justement pour satisfaire les clients. Et ça, c'est une expérience que Uber n'a pas utilisée dans le temps, parce qu'il essaie de perfectionner. On le voit dernièrement dans nos enquêtes. Vous savez, ils invitent des chauffeurs à justement des espèces de tables où ils utilisent l'intelligence artificielle en disant voilà. Est-ce que vous êtes excessif, c'est là, pour sonder en fait votre émotion, ça va, est-ce que vous allez accepter les nouvelles offres du père? Ça va très loin. Et donc, tout ça commence par une base sur la collecte de données. Donc, la collecte de données, stopper, donc absolument couper le jus, c'est-à-dire en bas de la racine, pour que justement l'aliment puisse la gorille. Et ce qui est très important, on le dit, parce qu'on a saisi dernièrement l'appui sur le privacy shield, puisqu'on a vu qu'en matière de données, c'est une histoire avec la NASA aux États-Unis. On voyait qu'il n'y avait pas assez de protection. Donc, l'Union européenne a mis en place le privacy shield. On a vu bizarrement que la Cour nous a dit ah non, mais écoutez, on ne peut pas trop le mettre en place et tout ça. Et dès qu'on a saisi le Conseil d'État chez nous, la CNIL donc, a commencé à s'exprimer en disant bah, finalement, on va le faire et ça va prendre du temps. Donc, on voit bien que le nerf de la guerre, ce sont les data. Les data, ce sont les collègues de données. Une fois qu'on a coupé le jus, ça vient vraiment par la racine et d'avoir cette transparence sur toutes les données qui sont collectées sur le smartphone, là, à ce moment-là, on va commencer à comprendre justement le mécanisme de l'algorithme. Juste pour terminer, là où je suis d'accord avec Tito, c'est qu'on nous a devancé, je ne sais pas qui le faisait, la technique de réseau ingénierie est intéressante parce qu'effectivement, ça nous permet justement de comprendre le mécanisme justement de cette application. Merci. Merci beaucoup, Brahim. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, je me suis rendu compte, merci Manon de m'avoir rappelé à l'ordre, que Raoul, vous souhaitiez intervenir sur les enjeux européens. Donc, je propose, Raoul, de vous donner la parole avant d'avancer plus avant. Donc, et toutes mes excuses pour avoir omis de vous donner la parole sur ces enjeux européens. C'est tellement, en fait, effectivement, comme je disais pour Angela, précieux d'avoir des acteurs en dehors du continent européen qui nous interpellent sur ces sujets. Donc, je vous donne la parole, Raoul. Merci à toutes et à tous. Monsieur écoute une autre réunion en même temps ou la télé, on ne sait pas l'entendre. Estas empresas operan de manera similar, explotando y precarizando a sus colaboradores, a sus socios mal llamados entre comillas, a sus trabajadores. Sí. ¿Aló? Manifestement. Il y a des problèmes avec le son chez vous. Est-ce qu'il y a une émission, un bruit à côté de chez vous? Non. Ahí, me escuchas? Et maintenant, ça va mieux oui, pour l'interprète. Crois. Maintenant, ça a l'air d'aller. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. Le micro, Raoul. Le micro. Aïe. Et maintenant, ça va? Alors, les effets des plateformes numériques sont tous les mêmes partout dans le monde. Ces entreprises, en fait, précarisent le travail des collaborateurs, que l'on appelle les partenaires, à mauvais escient d'ailleurs. Cependant, elles profitent des petits pays, des différents cadres juridiques pour garantir leur succès en Amérique latine, à raison de la pauvreté et également du manque de législation, ils ont en fait renforcé leurs gains. Ces entreprises sont confrontés également aux réactions des entreprises en bonne et due forme, qui travaillent en bonne et due forme. Ces entreprises gagnent moins fortement et sont confrontés à une lutte sociale.
ce que nous avons vu dans des pays comme l'Angleterre et dans certaines villes des États-Unis, au Mexique et dans certains cas en Colombie, c'est une lutte pour légiférer, réglementer les travailleurs qui travaillent dans le cadre de ces plateformes, dans le cadre de structures justes, équitables, et pour faire en sorte que les chauffeurs d'Uber soient considérés comme un être humain avec des besoins, une personne qui a besoin de se nourrir, d'être en bonne santé, d'avoir une protection sociale. Au Royaume-Uni, au début de cette année, des progrès ont été enregistrés après des luttes considérables. Malheureusement, il y a eu des représailles et tout cela nous retarde. Nous avons des droits à la retraite, des droits à disposer de droits sociaux, à la santé, à l'alimentation. L'exemple de la communauté européenne est un exemple pour tous les travailleurs de tous les continents, pour tous les collaborateurs qui travaillent avec des algorithmes, pour que nous puissions être reconnus tout d'abord en tant qu'êtres humains ayant des besoins, ayant faim, souhaitant croître, souhaitant s'améliorer, car nous sommes de plus en plus exploités, nous sommes confrontés à de nombreux risques, nous exposons nos vies. Nous sommes confrontés à une pauvreté terrible. Nous sommes confrontés aux autorités aussi. En Équateur et en Amérique latine, nous souhaitons que l'Europe suive l'exemple du Royaume-Uni. Est-ce que toutes nos sociétés suscitent des mouvements tels que celui-là pour pouvoir défendre les travailleurs? Des villes comme New York, comme Mexico, ne reconnaissent plus ces plateformes, mais en Amérique latine et en Amérique du Sud, rien n'avance. Si nous progressons dans cette lutte, nous pourrons parvenir à cette reconnaissance pour chacun des collaborateurs de ces plateformes. Merci de l'exemple que vous donnez, merci de me donner la parole. Merci sincèrement pour tout ce que vous faites. Nous suivons de près ce que vous faites. Merci à vous, Odile. Merci à toutes et tous. Merci surtout à vous, Raoul. Je propose de revenir sur ces enjeux aussi internationaux. Et Asma, je sais que vous tenez à cœur d'intervenir sur ces sujets-là. Et ensuite, je propose qu'il y ait un temps de réaction. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour réintervenir sur ces questions-là avant que nous passions à la seconde partie de notre webinaire. Donc, Asma, je vous donne la parole. Oui, donc moi, je voudrais clarifier quelque chose. C'est que des multinationales partout dans le monde, il y en a et ils travaillent avec des indépendants partout dans le monde. Donc, Uber ou d'autres applications ne vont pas être les premiers à travailler avec des indépendants. Je parle de tous les secteurs confondus. Moi-même, j'avais travaillé en tant qu'indépendante avec une autre société dans un autre secteur. Et malheureusement, les conditions ne sont pas toujours bonnes dans n'importe quelle relation avec n'importe quelle société. Donc, je parle d'une relation société indépendante. Donc, il y a déjà une défaillance pour moi quand un indépendant travaille pour une société. Il y a déjà des choses qui ne vont pas depuis bien longtemps et il y a déjà des grosses sociétés qui utilisent des indépendants depuis bien longtemps dans le monde entier. Mais il faut permettre un encadrement, instaurer des lois et des réformes à l'échelle européenne et partout dans les pays qui sont concernés pour protéger ces indépendants parce que ce sont des travailleurs en premier lieu et s'ils ont choisi de travailler en tant qu'indépendants, on ne peut pas leur enlever ce choix parce qu'en Belgique, tous les chauffeurs qui sont partenaires aux applications ont cette volonté de rester indépendants, ont cette volonté de garder cette liberté d'être indépendants. Ils ne veulent pas forcément devenir des employés, mais ils veulent rester indépendants, mais qu'on puisse les respecter. Respecter leur travail et respecter le fait que ce sont des entrepreneurs, puisqu'il y a des chauffeurs
qui ont des flottes avec plusieurs voitures et qui sont partenaires avec ces applications. Ces applications doivent respecter ces chauffeurs, entrepreneurs ou indépendants, respecter leur travail et être de vrais partenaires sur toutes les longueurs d'onde. Voilà ce qu'on demande le plus en Belgique. Donc moi, ce n'est pas la première fois que je parle de mon cas personnel, ce n'est pas la première fois que je vais être indépendante. Le réel problème, c'est la relation que la société, telle qu'elle soit, a avec l'indépendant. C'est ça le réel problème qu'on rencontre aujourd'hui avec les autres applications. Et il y en a d'autres qui vont arriver encore. Ça, c'est un point que je voulais dire. Il y a des applications qui vont encore voir le jour, qui vont arriver dans nos pays. Et donc, il faut impérativement instaurer des réformes, des lois au niveau européen. C'est pour ça que moi, je soutiens Leila Chaibi pour ça et Brahim Ben Ali, parce que je sais qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là pour encadrer ces sociétés. Voilà. Merci beaucoup, Asma. Tito, je vois que vous avez levé la parole. Et Angela, si vous voulez intervenir aussi sur ces questions, en particulier les enjeux internationaux, n'hésitez pas à lever la main, je vous redonnerai la parole. Merci. Une petite réflexion sur ce que Asma vient de nous dire. Je crois que nous voudrions tous pouvoir choisir. Et je pense qu'on se trompe peut-être. Pourquoi ? Il est en effet compliqué d'imposer le respect de la loi à ces plateformes. Chaque faille va être exploitée. Nous devons clarifier ce que nous voulons. C'est indispensable. Un travailleur qui travaille pour une entreprise, un chauffeur, selon nous, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un travailleur d'une entreprise. Un coursier à vélo, s'il veut être indépendant, s'il veut être entrepreneur, ce n'est pas un entrepreneur, il est travailleur d'une entreprise, d'une plateforme. Un entrepreneur, c'est différent. Il faut bien clarifier la situation. C'est indispensable à mon sens. L'enjeu, c'est la lutte. Sinon, on s'y perd. Nous croyons que les travailleurs, en tout cas ceux qui sont des travailleurs, doivent lutter pour améliorer leurs conditions de travail. Mais parfois, un indépendant qui souhaite gagner plus perd des droits en matière de protection sociale et contribue moins à l'état bien-être, puisqu'il contribue moins dans le cadre de ses impôts. Il a moins alors de pension, de retraite. Il faut tous contribuer à l'État pour pouvoir bénéficier des droits de la solidarité à l'avenir. C'est indispensable. Le modèle des travailleurs de plateforme ne peut pas se réfugier derrière le concept d'entrepreneur. Sinon, nous défigurons totalement ce statut d'entrepreneur. Les responsabilités des entreprises, des plateformes sur le travailleur ne peuvent pas être drapés dans ce statut d'indépendant. Ce statut d'indépendant ne peut pas être la porte dérobée pour accroître la précarité des travailleurs. Parfois, il est mieux de travailler, de gagner un peu moins, mais d'avoir une protection sociale. L'idéal serait de pouvoir choisir. C'est toujours choisir l'idéal. Mais je pense que cette liberté a un prix très élevé. Cette réalité, telle qu'elle a été dépeinte, n'existe peut-être pas. Malheureusement, tout fonctionne et nous devons exiger de l'entreprise de réaliser ses obligations. Mais nous, alors, travailleurs, nous devons nous acquitter de nos obligations. Nous ne sommes pas de véritables entrepreneurs. Dans ce cas-ci bien concret. Voilà, ça c'était pour une d'une part. Ensuite, la protection des données.
J'enverrai ça à Leïla, comme ça vous l'aurez. Nous avons réalisé 3 études. Avec un informaticien, un hacker, nous avons procédé à une ingénierie inverse de l'application d'Uber. Et je pense que cette nouvelle directive européenne est importante. Et nous avons vu dans ces conditions générales, lorsque l'on accepte cette application, on constate les limites, en fait, dans ces conditions générales. Je ne vois pas pourquoi Uber puisse accéder à mes audios. Je ne vois pas pourquoi Uber puisse accéder à mes SMS et à de nombreuses autres choses. Ça n'a rien à voir avec l'activité menée par Uber. Je ne comprends pas, donc. Qui lit les conditions générales qui font des pages et des pages? Moi, franchement, je vais vous le reconnaître, je ne les lis jamais. Et Uber, lorsque l'on télécharge l'application, s'exempte de toute responsabilité. En cas d'accident, par exemple, pour un usager. Si je suis usager, je ne pourrai jamais l'accepter en tant qu'employeur. Elle doit être responsable de tout ce qui se passe sur le trajet. Je pense que c'est un élément essentiel dans les conditions générales lorsque l'on télécharge l'application. Nombre d'éléments devraient être imposés et respectés. On ne peut pas être intermédiaire et s'exonérer de toutes les responsabilités d'une entreprise. Après tout, l'entreprise preste un service. Cela doit être adossé à des responsabilités. Si vous êtes un indépendant, un entrepreneur, vous êtes responsable de certaines obligations. Ici, dans le cas qui nous occupe, l'entreprise doit avoir des responsabilités. Toutes les responsabilités ne doivent pas reposer sur les travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Dans ce cas-ci qui nous occupe, nous ne sommes pas des entrepreneurs. Voilà, cette réflexion me paraît assez importante. Merci beaucoup, effectivement, Tito, de votre intervention. Je pense que ça suscitera aussi des réactions de la part de nos intervenants européens. Je propose de laisser la parole, de vous donner la parole à Angela, puis Yacine et enfin Brahim. Thank you. Merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir structurer ma pensée pour que vous puissiez me suivre. Quelle que soit notre langue, notre religion, notre président, nous, les travailleurs, nous, les chauffeurs des quatre coins du monde, ne sommes pas si différents les uns des autres. Nos expériences d'exploitation, notre expérience est la même, quel que soit le pays. Et oui, les travailleurs, ici aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, veulent de la flexibilité et de la liberté dans la manière de travailler. Mais nous voulons de la liberté pour donner la priorité à la santé, à nos familles. Cela n'est pas mutuellement exclusif avec des conditions de travail sûres et équitables. Il en va de notre responsabilité d'informer nos collègues. Nous pouvons avoir les deux. Nous pouvons avoir de la flexibilité, des conditions de travail sûres et équitables. Ici, aux États-Unis, c'est l'une de nos principales luttes. Nous combattons la propagande d'entreprises telles qu'Uber. Ces entreprises tentent d'affirmer à leurs travailleurs que c'est l'un ou l'autre, soit des conditions de travail sûres, flexibles, soit des conditions de travail justes, alors que nous pouvons prétendre aux deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que d'autres orateurs l'ont également souligné, nous sommes gérés par des algorithmes. Et cela occulte le peu de liberté et d'indépendance dont nous jouissons. Dernièrement, un tribunal en Pennsylvanie a arrêté que nous sommes des employés et non des entrepreneurs indépendants. Et la Cour suprême de l'État a indiqué que la seule liberté dont on disposait était la liberté de se déconnecter de l'application. Et pour toutes les autres libertés, allégués par Uber et d'autres, n'existent pas. Nous sommes tout simplement manipulés par un algorithme.
comme les législateurs dans l'Union européenne, les législateurs aux États-Unis fréquemment se demandent si le droit du travail existant s'applique à nous. Nos défis ne sont pas véritablement différents. Nous devons faire comprendre à ces législateurs que le droit du travail existant s'applique à nous. Être géré par un algorithme ne change pas véritablement la relation avec notre employeur. Ici, c'est une app sur un téléphone portable qui nous dit ce que l'on doit faire. Ce n'est pas un être humain. Dans l'UE, des législateurs travaillent pour mettre en place un droit du travail permettant la flexibilité, la sûreté et des conditions de travail justes. C'est un exemple qui permet d'encourager législateurs aux États-Unis pour avancer. Donc, je vous remercie d'avoir montré cet exemple. Merci. Merci beaucoup, Angela, pour votre témoignage et effectivement interpellé sur l'importance qu'il y a à traiter de la question de l'algorithme dans le cadre du droit du travail. Yacine, vous aviez demandé la parole. Levez la main, je vous donne le micro. Okay. I wanted to say a few things, but I think Angela covered it. Je voulais dire quelques petites choses, mais en fait, Angela m'a coupé l'herbe sous le pied, ce qui en fait est super parce que cela montre que nous partageons les mêmes perspectives. Donc, au Royaume-Uni, il y a divers statuts d'emploi. On peut être auto-entrepreneur et donc on fait exactement ce qu'on veut. Et puis ensuite, on peut être salarié. Et là, on a un certain nombre de droits, congés payés, congés parental. On ne peut pas être licencié sans motif et bien d'autres choses encore. Donc, il y a effectivement un contrôle exercé par l'entreprise, mais un certain nombre de contreparties. Mais au Royaume-Uni, il y a encore un autre statut intermédiaire, les LIMBYs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on est en fait auto-entrepreneur, mais avec un seul client. Donc, c'est nous qui travaillons pour Uber, qui faisons tourner le business d'Uber. Mais en même temps, il y a un élément de contrôle qui, lui, n'est pas du tout compatible. Donc, le droit que nous garantit le droit du travail, c'est, un, d'être rémunéré au moins au salaire minimum, deux, les congés payés, trois, le droit de ne pas être victime de discrimination, par exemple, on peut être lanceur d'alerte, etc., se syndicaliser, etc. Donc, c'est ce pourquoi nous nous sommes battus en 2015. J'ai beaucoup progressé, je ne comprenais pas aussi bien que maintenant ce qu'est une mobilisation collective, le salaire minimum et beaucoup d'autres choses. Donc, je crois que nous avons besoin de quelque chose qui légifère sur cette réalité intermédiaire. Et je l'ai entendu chez Angela, je l'ai entendu chez d'autres. C'est qu'on fait comme si on était son propre patron, comme si on était auto-entrepreneur. Et sous prétexte de flexibilité. Donc, en fait, le deal qui nous est présenté, c'est qu'on a cette flexibilité, mais en fait, c'est un marché de dupes, puisqu'on nous donne le droit à quelque chose auquel nous aurions de toutes les manières droit. Alors, pour vous rappeler un peu quels sont les chiffres à Londres, et c'est pré-coronavirus, pré-Covid. Votre chauffeur moyen travaille jusqu'à 70 heures par semaine, 70 heures hebdomadaires. Or, la moitié de ces heures finalement, ne leur permet que de payer leurs frais. Il y a effectivement les dépenses entraînées par la voiture, assurance, l'essence, etc., etc. Donc, on ne commence à gagner de l'argent qu'à partir de la 36e heure. Donc, oui, on a effectivement une certaine souplesse dans l'emploi de la flexibilité, mais
on passe sa vie à travailler tout le temps. Et donc, si je devais maintenant essayer de faire évoluer la loi, eh bien, je dirais qu'il faut se débarrasser de ce statut intermédiaire, l'IMBY. Il faut qu'on soit clairement son propre patron ou alors qu'on soit clairement employé, mais pas ce statut intermédiaire. On est salarié, effectivement, on a les avantages que Angela a mentionnés, à savoir une couverture sociale, médicale, etc. Mais ces chauffeurs qui se tuent au travail ont besoin d'un niveau minimum de protection. On a également constaté que de nombreux chauffeurs ont été tout simplement, entre guillemets, licenciés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus droit à se connecter à la plateforme. Et cela, c'est lié à cette opacité avec laquelle opère l'algorithme. Un cas que nous avons vu assez récemment, c'est le cas où Uber a perdu la licence, sa licence d'exploitation à Londres, et ils ont fait appel. Or, ce que le régulateur les a forcés à faire, c'est de mettre en place des outils de reconnaissance faciale, notamment quand le chauffeur se connecte. Et cela, c'était en fait pour correspondre aux exigences du régulateur. Mais on a vu que des chauffeurs se connectaient à l'application Uber, mais la reconnaissance faciale ne marchait pas. Donc, ce qui se passait dans ce cas-là, c'est que Uber bloquait leur application et que ensuite les dénonçait à l'autorité de surveillance sous prétexte qu'ils partageaient leur licence. Par exemple, j'ai un collègue, Imran. Imran n'a pas pu travailler pendant 6 mois, absolument zéro revenu, tout simplement parce que à cause d'un problème informatique. Et il n'y était pour rien. Microsoft a d'ailleurs reconnu publiquement que ce système, en fait, est problématique, et en particulier pour les personnes de couleur et pour les femmes. Donc, ces technologies, en fait, discriminent contre certaines catégories de population. Et c'est la double peine, puisque en plus, ils sont dénoncés auprès du régulateur, ce qui les prive de tout revenu, et il faut ensuite qu'ils puissent porter l'affaire devant les tribunaux, alors qu'ils n'ont pas d'argent, pour rétablir la jouissance de leurs droits. Donc, l'automatisation des processus est vraiment problématique, c'est ce que je veux dire. Récemment, nous avons obtenu un arrêt favorable à 6 chauffeurs, des chauffeurs britanniques qui opéraient à Amsterdam. Ils étaient accusés d'usage frauduleux de l'application, mais en fait, n'étaient coupables de rien. Uber s'est contenté de ne pas s'en occuper. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas, évidemment, que l'on prête attention au processus tel qu'il est réellement. Mais, comme je vous l'ai dit, au Royaume-Uni, un de nos membres n'a pas eu accès au moindre revenu pendant 6 mois. Nous avons pu obtenir que sa licence lui soit restituée, mais quand même, enfin, pensez-y, c'est quand même fou que le syndicat soit obligé de payer pour jouer les redresseurs de tort. Donc, je crois qu'il faut quand même vraiment s'intéresser aux préjudices subis par les chauffeurs. Rappelez-vous, les 6 chauffeurs qui, eux aussi, ont été complètement privés de tout revenu simplement parce qu'un ordinateur se plante. Et Uber se cache à l'arrière-plan et ne veut pas qu'on regarde son petit business en détail. Alors, on peut parler loi du travail, il y a beaucoup d'autres abcès, mais en général, ce qu'on voit, c'est que des outils de surveillance, des technologies de surveillance sont finalement une sorte de masque derrière lequel se cache Uber et d'autres entreprises. Et il faut donc que tout cela éclate au grand jour. Il faut que tout cela soit exposé afin que l'on puisse savoir ce qui se passe. Et c'est ainsi que nous pourrons, en fait, avoir un vrai pouvoir collectif pour négocier. Donc, je pense qu'avoir accès à ces données, effectivement, est clé. Comme je l'ai dit,
Non, nous n'avons pas besoin d'un statut intermédiaire. Non. Soit il faut être indépendant, soit on est salarié, l'un ou l'autre, mais je crois que ces possibilités intermédiaires, en fait, sont bidons. Quand on travaille comme travaillent ces chauffeurs, je pense que la moindre des choses, c'est de pouvoir bénéficier de ces droits sociaux. Merci. Merci Yacine, je pense qu'effectivement le message sur le troisième statut est très clair. Donc je vous remercie. Je propose d'accélérer un petit peu puisque nous avons prévu normalement de passer au troisième temps de notre webinaire. Et donc je vais donner la parole à Tito et Ibrahim et à Youadé, si vous voulez bien, je vous propose d'intervenir peut-être plus tard dans la discussion, puisqu'effectivement, on a déjà dépassé là le temps qui était prévu. Donc, je vous propose d'avancer ainsi, si vous en voulez bien. Pardon, es que hablo mucho. Désolé, c'est vrai que je parle beaucoup. Et je suis en fait tout à fait d'accord avec notre collègue, avec Yacine. L'une des choses les plus importantes pour ce réseau international est d'apprendre. Parfois, on veut agir. Par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, ça existe déjà. Et que s'est-il passé quand il y a eu des actions? Ce que Yacine nous a expliqué. Nous devons donc être attentifs à ce qui se passe ailleurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs et ne pas tomber dans ce mensonge. Et je ne peux être plus d'accord. Soit nous sommes salariés, soit nous sommes indépendants. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Si l'on est salarié, il y a des droits, mais aussi des obligations. Il n'y a pas de situation intermédiaire quand on travaille pour une plateforme comme Uber. Ce n'est pas possible. S'il y a une situation intermédiaire, ils vont en profiter pour bafouer vos droits. C'est ce qu'ils vont faire. Et vous serez soumis, en fin de compte, c'est certain. Et donc, c'est important dans votre travail pour la directive, dans l'application... De l'application Driver, nous avons analysé le traitement des données et nous avons constaté que si je suis usager, je demande un conducteur et nous recevons cette demande. Donc le conducteur, le chauffeur, dans son contrat, dans les normes lorsqu'il travaille pour l'application, et doit respecter certaines règles. Il faut une certaine note de la part du client. On ne peut pas compter le temps de travail uniquement quand on preste le service. Dès que l'on est dans l'application, on est en train de travailler. Quand on ne rend pas un service, effectivement, ça compte quand même. C'est important et nous travaillons là-dessus, nous cherchons à défendre les travailleurs sur cette question-là aussi et nous gagnons des batailles. Voilà, maintenant je me tais, c'est promis, c'est tout. Merci beaucoup Tito. Brahim, je te propose effectivement de clore ce temps de discussion. Et désolé, Ayoade, nous serons obligés de passer au temps suivant. Je vous propose de vous donner la parole pendant le temps de discussion. Puisqu'effectivement, nous accueillons Kim van Sparentak, qui nous a rejoint donc, du Parlement européen. Donc, bonjour, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et donc, nous attendons avec intérêt donc, les discussions à venir sur ce troisième temps. Brahim, je te laisse la parole. Alors, je reviens un peu sur le statut de workers. Il faut savoir qu'il y a une décision de la Cour suprême en Angleterre et où on a vu tous les journalistes s'affoler en disant « Attendez, c'est incroyable ». Voilà, ils sont salariés. Sauf que quand on regarde cette décision-là, et je félicite quand même Yacine parce que voilà, ils ont de sacrés rapports de force et il y a quand même une convergence entre la France et l'Angleterre. Et on voit tout de suite que ce statut-là, effectivement, c'est un statut intermédiaire entre une indépendance fictive et des droits des salariés. Sauf que je vais définir ça en un mot, nous sommes juste des tâcherons du 21e siècle. C'est-à-dire que voilà, on effectue une tâche et on nous jette, voilà,
comme si limite on était les exploités au profit des plateformes. Il y a un truc qu'il faut savoir, je vais bien comprendre, moi je défends mon indépendance, mais aujourd'hui ce n'est pas être indépendant. Quand on travaille avec la plateforme Uber, on va bien, par exemple, moi je vous donne mon exemple, être déconnecté parce que dans leurs conditions d'utilisation générale, il est marqué que si vous tenez des propos diffamatoires, qu'est-ce que c'est que ces propos diffamatoires? Parce que moi j'ai demandé une clarification à Uber. Quel est le propos diffamatoire que j'ai dit qui fait que vous m'ayez déconnecté? Non, en fait, la seule chose, c'est que dès qu'il y a un problème, dès que, par exemple, vous n'êtes pas content de la situation, Uber vous déconnecte. Dernièrement, il y a une concert, et ça, il va falloir m'expliquer, elle avait quand même plus de 15 000 courses, 4,98 de notation sur 5. C'était vraiment l'élite des chauffeurs. Et elle a été déconnectée comme ça du jour au lendemain, sans explication. Le journaliste était étonné. Quand on l'a amené, il disait, mais attendez, ce n'est pas possible. Uber se plaint en disant, on a besoin de bons chauffeurs. Et là, vous déconnectez une dame qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour justement plaire non seulement aux clients et aux plateformes. Donc, il y a un moment, je veux bien qu'on dise, voilà, on est des entrepreneurs individuels. L'entrepreneuriat, c'est la liberté de pouvoir choisir sa tarification. C'est la liberté d'entreprendre sans contrainte, sans justement atteindre des objectifs. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que aujourd'hui en France, c'est très, très compliqué par rapport à d'autres États, parce qu'en France, vous savez, dernièrement, j'étais quand même au ministère du Travail, c'est-à-dire l'entité qui est censée défendre les droits du travailleur. Et on me dit, vous savez, malgré la reconnaissance de l'arrêté de la Cour de cassation du 4 mars qui dit qu'il y a un lien de subordination, et que vous n'êtes pas des indépendants, mais des salariés, eux nous disent, vous êtes des indépendants. Libre à vous, justement, de vous déconnecter et de travailler avec une autre plateforme. Mais c'est trop facile de dire ça quand on a une plateforme qui vient, qui impose des prix et qui ne cesse de baisser les prix pour plaire aux clients. Limite, bientôt, j'ai envie de vous dire, on va travailler à titre gratuit pour cette plateforme. Il y a un moment, il faut de la régulation. Et la régulation, elle passe par justement la Commission européenne et ces directives-là qui sont très importantes, parce qu'il faut absolument, et j'enjoins justement tous les États membres de l'Union européenne à travailler avec nous sur ce sujet-là, parce que voilà, ça va durer quand même une bonne année, à mettre la pression justement en disant stop, il y a un moment, soit on est salarié, soit on est indépendant. On ne peut pas créer un statut pour plaire aux plateformes. On ne peut pas donner des échappatoires aux plateformes. Il y a un moment, il faut dire stop à l'ubérisation et aux conséquences. Je rappelle que des chauffeurs sont morts. Ils sont morts parce qu'ils font jusqu'à 14, 16 à 17 heures par jour. Et ce que veut Uber, c'est vous vendre de la poudre de perlimpinpin en disant, voilà, là, vous êtes salarié pour nous. Lorsque vous travaillez pendant la tâche avec justement une limite, j'ai envie de vous dire, en France, si on prend les règles du modèle salarial, Uber ne remplit même pas les conditions. Donc, ils vont créer un espèce de pseudo-salarié, mais en gardant les avantages, soi-disant, de l'indépendance, soi-disant, vous êtes libre. Non, il y a un moment, il faut prendre la décision. Et la décision aujourd'hui, c'est justement de mettre fin à ça. Et j'enjoins tout le monde, pour terminer, vraiment à participer donc, à cette directive européenne, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, la députée européenne, justement, travaille sur ce sujet-là. Il faut absolument soutenir, justement, cette directive-là pour obtenir une victoire. Et ça serait déjà un début qui se propagerait, justement, dans le monde entier. Merci. Merci beaucoup, Brahim. Alors, je pense que c'est une très bonne transition pour passer à notre troisième temps. Et en amont de cette discussion, donc, cette prise de parole par Natalia Vassac, Ludovic Butt et Kim Fanspantak, nous vous proposons de visionner une courte vidéo sur justement le cursus législatif qui est en cours pour la directive. Et donc, je vous donne la main pour passer la vidéo, Manon. Il n'y a pas de son. Il
se passe. Les eurodéputés se réunissent pour négocier ensemble ce qu'on appelle une proposition de rapport. En gros, la position du Parlement sur un thème donné. Ici, sur l'ubérisation des travailleurs. C'est Leïla Chebbi qui représentera son groupe politique, la gauche, lors de ces réunions. D'ailleurs, elle a d'ores et déjà rédigé une proposition de loi européenne, clé en main. Ça tombe bien. Il faudrait vraiment que l'Union européenne s'en inspire. Étape 2. La commission emploi et affaires sociales du Parlement européen vote le rapport. S'il est approuvé, il peut donc être voté en assemblée plénière du Parlement, à laquelle prennent part tous les eurodéputés. Ça, c'est l'étape 3. Mais c'est pas fini. L'étape 4, la Commission européenne publie ensuite une proposition de directive. Pour l'étape 5, ce sont deux actions parallèles. D'une part, les ministres du Travail des 27 pays de l'UE se réunissent pour discuter de cette proposition. Parallèlement, les eurodéputés se réunissent à nouveau au Parlement pour négocier la proposition. C'est toujours Leïla Chebbi qui est chargée de ce travail pour son groupe politique. Les positions des différentes institutions sont fusionnées en une seule, et enfin, la directive est adoptée. Chaque pays membre de l'Union européenne, dont la France, devra mettre en application dans ses lois les objectifs de cette directive. C'est pas peu dire que le travail mené au Parlement européen est important. Il aura des conséquences directes sur la vie de tous les travailleurs des plateformes numériques. Je sais pas vous, mais je me sens motivé là. Il faut soutenir les eurodéputés qui se battent pour préserver un emploi stable et sécurisé. Alors voilà, je pense qu'effectivement... Oui, on a une très bonne entrée en matière sur ce deuxième temps de discussion. Et donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes directement tous interpellés, les acteurs européens là. Donc, on est très, très impatients de vous entendre sur cette directive. Je vais d'abord passer la parole à Natalia Vaksak, qui... Et ce policy officer à la Fédération européenne des travailleurs de transport pour effectivement nous partager vos réflexions du côté de la Fédération sur ces sujets. Natalia, vous avez 7 minutes. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, jusqu'ici, j'ai été très intéressé par vos débats. Je me félicite d'être à vos côtés. Alors, je représente la Fédération européenne des travailleurs dans le secteur des transports. Je sais que notre abréviation ETF suscite la confusion, mais nous représentons les travailleurs de ce secteur des transports, transport public, aux travailleurs du secteur ferroviaire, à l'aviation civile, secteur maritime, etc. Alors, le travail sur des plateformes est important pour nous, car la numérisation, l'automatisation a bel et bien lieu dans le secteur du transport à un rythme effréné. En effet, les opérations de transport peuvent être facilement standardisées et il est facile de créer un algorithme pour les gérer. C'est le cas des plateformes telles que Uber. Alors, ici, aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre position générale sur le travail dans le cadre de plateformes, mais aussi aborder les dimensions sectorielles, notamment la mobilité urbaine et l'approche en la matière. En fait, vous avez déjà couvert bon nombre des éléments que je voulais aborder pour esquisser notre position. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir partager mon écran, si cela a l'air de fonctionner. Voici notre programme pour un travail juste sur les plateformes. Nous l'avons publié plus tôt cette année. Comme vous pouvez le constater, la plupart des points sont repris ici. Je voulais souligner plusieurs points, tels que vous l'avez indiqué tout à l'heure. Nous pensons qu'aujourd'hui, les travailleurs dans le cadre de ces plateformes ne sont pas bien catégorisés. Et si nous pouvons appliquer le droit du travail... nous aurons déjà beaucoup moins de problèmes. Ce n'est pas le cas, comme nous le savons tous. Alors oui, cela doit être mieux appliqué. Nous ne sommes pas en faveur du troisième statut, comme Yacine l'a dit, au Royaume-Uni. C'est pour tous, pour deux raisons. Tout d'abord, nous pensons que les travailleurs sur les plateformes ne sont pas des cas particuliers. Ils ne sont pas différents des autres. Ils relèvent de leur secteur du transport, puisqu'on parle du transport ici. Par exemple, les conducteurs, les chauffeurs d'Uber,
font partie du secteur de transport de passagers à la demande, Deliveroo logistique. Alors, créer une sous-catégorie d'employés n'est pas juste à notre sens d'un point de vue éthique. Ensuite, s'il y a un troisième statut, cela pourrait se propager à d'autres secteurs, que cela soit le transport, mais aussi les autres secteurs de l'économie. Nous n'en voulons certainement pas. S'il y a une initiative européenne ou s'il y a une législation nationale, nous ne sommes pas en faveur d'une telle évolution. Alors, comme vous l'avez également dit, certains d'entre vous en tout cas, nous pensons que les entreprises de plateforme doivent prendre leurs responsabilités envers la société et leurs travailleurs. Cela a été dit déjà encore et encore aujourd'hui. Elles vont tout faire pour éluder la législation. En Californie, avec la proposition 22, nous l'avons bien vu. Elles sont capables de dépenser des millions de dollars pour influencer le processus législatif. C'est inacceptable. Et nous devons veiller à ce que les entreprises qui travaillent via des plateformes respectent les règles. Des documents ont été mis en avant par des entreprises telles que Uber. Ils ont publié leur vision pour un meilleur travail sur les plateformes. Ils nous disent qu'ils voudraient que tous les travailleurs, quel que soit leur statut, disposent d'une protection sociale. Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Mais qui va payer? Il semble qu'Uber veut tout, veut le beurre et l'argent du beurre. Donc nous ne sommes pas véritablement en faveur d'une telle situation. Enfin, comme vous l'avez également dit, le travail sur des plateformes numériques est très important. Il faut un contrôle humain sur les algorithmes. Les travailleurs doivent avoir accès à leurs données. Les représentants des travailleurs, pour leur part, doivent être en mesure de négocier sur les algorithmes. Nous devrions également assurer un contrôle public sur ces algorithmes. Ce sont les éléments généraux pour cette prochaine initiative européenne. Je voudrais également aborder quelques questions sectorielles. En effet, les entreprises de plateformes, ces applications, ont eu un impact sur la mobilité urbaine. N'oublions pas que dans leur prospectus aux investisseurs, Uber a mentionné explicitement que le transport public urbain est, et les acteurs dans le domaine sont leurs concurrents. C'est dangereux. Il faut également prendre bien cela en considération. De nombreuses initiatives émergent dans la mobilité, les services à la mobilité. Et la mobilité comme un service, c'est un concept qui est mis en avant. Plusieurs types de transports sont combinés dans une application et l'utilisateur peut choisir ce qui lui convient le mieux pour se mouvoir dans la ville. Et si on permet aux plateformes de fournir ces services de masse sans fixer des critères sociaux, c'est très clair, la concurrence sera déloyale. Cela doit être pris en considération, abordé. Pour y parvenir, il faut imposer des critères sociaux, des critères fiscaux aussi. Il convient d'honorer les règles fiscales, les normes sociales. Sinon, on ne peut pas avoir accès à ces plateformes de masse. Il en va de même pour les services de covoiturage. Entre les taxis et les services publics. Une évolution a eu lieu en Allemagne avec une réglementation de ces services de covoiturage. Les syndicats voulaient introduire des critères sociaux pour que Uber doive s'y plier dans le premier projet. Aucun mot n'en était dit. Heureusement, dans la législation adoptée, une disposition stipule que les autorités locales peuvent imposer des conditions sociales pour les appels d'offres dans le cadre de ces services de covoiturage. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas obligatoire.
Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, quand on se penche sur la stratégie de mobilité intelligente de l'Union européenne, et je conclue rapidement, ne vous inquiétez pas, si l'on se penche sur cette stratégie, on constate une initiative. Son objectif, l'évaluation de l'intérêt d'une nouvelle législation européenne sur un même terrain d'égalité entre les transports publics, les services aux passagers à la demande et les plateformes. Et cette initiative peut aller dans deux directions, en fait. Soit l'on ouvre le marché, on retire toutes les restrictions, et c'est la course aux abîmes, et ça, c'est véritablement le jeu des plateformes. Soit nous renforçons les normes. Ça, c'est plutôt ce que nous voulons. Pour notre part, nous pensons qu'il faut imposer les mêmes conditions, le même salaire pour le même travail. Nous ne voulons certainement pas promouvoir l'innovation et une promotion qui rime avec un nivellement par le bas. Nous ne sommes pas contre l'innovation, c'est certain. Mais c'est un peu l'impression que l'on a. Sous couvert d'innovation, on cherche à abaisser les normes sociales. Nous ne sommes pas du tout en faveur d'une telle évolution. Alors pour conclure, je vais peut-être répéter ce que d'autres ont dit. Il nous faut des initiatives européennes fortes pour renforcer les normes. Et il ne nous faut surtout pas de propositions faibles qui soit ne changeront rien, soit aggraveront la situation, compliqueront encore la donne pour les États au niveau national pour améliorer la situation. Nous suivons donc de très près le processus législatif et nous allons faire pression pour la meilleure issue pour les travailleurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous suis pour des questions éventuelles tout à l'heure. Merci beaucoup, Natalia. Je pense qu'effectivement, le message était très clair, y compris aussi sur l'outil puissant que peut représenter la régulation sectorielle. Je passe la parole à Ludovic Wuth, qui est secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats. Et donc, tu vas nous exposer tes réactions à tout ce qui a été dit et les attentes très fortes, et réagir aux attentes très fortes donc, dans le contexte de la directive à venir. C'est à toi pour 7 minutes. Merci Odile et merci à tous pour ce séminaire. Je pense que toutes vos contributions et témoignages sont assez forts de la réalité que les travailleurs vivent sur cette plateforme. Et je pense que pas seulement dans les secteurs, dans le secteur des chauffeurs, mais également un peu partout dans le secteur des plateformes et là où ça se développe. Donc, je pense que c'est vraiment très utile pour nous pour porter aussi une voix au niveau européen, donc avec la Confédération européenne des syndicats. Ici, pour le moment, on est dans la phase au niveau européen où la Commission européenne consulte les partenaires sociaux, donc les employeurs et les syndicats, sur une potentielle législation. Et donc, on a eu la fin de la première phase et donc on a ici répondu quelles étaient nos attentes pour cette directive. Et on va rentrer à partir de fin juin dans la deuxième phase où la Commission nous consultera sur le contenu, un contenu potentiel de la directive. Et donc, avec les syndicats partout en Europe et la Confédération européenne des syndicats, du coup, on a discuté de notre mandat dans ces discussions-là, au cas où il pourrait y avoir des discussions avec les employeurs, ce que malheureusement les organisations d'employeurs ne sont pas preneuses. Un des problèmes étant évidemment que les plateformes elles-mêmes ne se reconnaissent pas comme employeurs et donc ne sont même pas membres des organisations d'employeurs. Et donc, on a tout un élément qui est ici aussi important sur la question de reconnaître les plateformes comme employeurs. Je vais y arriver. Je pense que dans les dernières années, on a vu que les travailleurs face à au refus des plateformes de respecter leurs droits et au refus des plateformes également de discuter de ces droits, les travailleurs se sont tournés
souvent avec des associations et leurs syndicats, vers les cours. On voit que les affaires judiciaires, justement, et certaines décisions administratives, de plus en plus, se sont concentrées dans les derniers mois, vont dans un bon sens, mais apportent une vision fragmentée et un panorama fragmenté de la situation. Donc, on voit que, par exemple, ce qui s'est passé en Espagne amène l'Espagne à amener une loi, qui est la loi Rider, qui, je pense, a été adoptée aujourd'hui par le Parlement ou par le Conseil des ministres. Et donc, ça, c'est évidemment quelque chose qu'on trouve qui est un bon premier pas, mais qui n'est pas suffisant dans le sens où ça ne s'attaque que aux livreurs de repas à domicile. Et donc, par contre, on voit que ça a été dit par James, mais au Royaume-Uni, on voit ce qui s'est passé avec les chauffeurs Uber. Il y a la Cour suprême qui décide de quelque chose, et puis Uber dit « je vais l'appliquer à moitié la décision qui a été prise par la Cour, mais je ne vais l'appliquer qu'à mes chauffeurs Uber ». Je ne vais pas l'appliquer à Uber Eats. Donc, on voit qu'on a une approche fragmentée et qui est problématique pour tous les travailleurs. On ne peut pas gagner droit par droit pour tel secteur, telle application, une application par une. Ça va prendre des années. Ça a déjà pris des années pour pour les cours, pour les procédures devant les cours. Ça en prendrait encore des dizaines si on n'avait pas une avancée significative à la fin de l'année. Et un dernier exemple pour ça, c'est en Italie aussi, certaines cours ont donné des décisions assez positives aussi dans la livraison, en donnant 3 mois aux plateformes pour transformer le modèle. Et on voit que récemment, par exemple, les syndicats italiens ont réussi à avoir un accord collectif avec Just Eat pour salarier les travailleurs, mais on n'a toujours pas le cas avec les autres Glovo, Deliveroo et Uber. Donc, on ne peut pas attendre la décision volontaire de chaque plateforme de se transformer son business model en fonction de ce qu'elle prend ou pas des décisions de justice. Et donc, on a besoin d'une action européenne par rapport à ça. Nous, on a 2 objectifs dans cette action européenne, c'est obtenir les droits pour les travailleurs dans ces plateformes, mais pas seulement les travailleurs de plateforme, mais les travailleurs atypiques en général, qu'ils travaillent en ligne ou hors ligne. En ça, on dit que les travailleurs qui sont sur les plateformes ne sont pas des nouveaux, c'est pas un nouveau type de travail, c'est des travailleurs qui sont dans des contrats plus précaires, du travail à la tâche, ça a été dit en partie, et d'autres travailleurs qui sont hors ligne vivent la même chose. Et on peut être aussi travailleur en ligne et hors ligne dans la même journée quand on est un travailleur atypique. On peut être un travailleur domestique, on peut être un travailleur dans l'agriculture, on peut également être un travailleur de l'art qui se fait appeler par téléphone pour une tâche, alors que le soir, on va prendre une tâche sur une application. Donc ici, on a besoin d'obtenir des droits pour tous les travailleurs qui sont atypiques et qui n'ont pas une protection sociale forte, qui n'ont pas d'accès à la négociation collective, qui n'ont pas la bonne classification d'emploi. Le deuxième aspect, c'est de rendre la numérisation de l'économie compatible avec les droits sociaux et les droits du travail. C'est fondamental parce que ce qu'on voit dans certains secteurs via les plateformes, ça va se propager dans les mois à venir, même plus dans les années à venir, mais dans les mois à venir. C'est déjà le cas, il y a pas mal d'investisseurs et pas mal d'entreprises qui disent, donc on voit déjà des applications dans le secteur du nettoyage, dans le secteur du commerce, dans le secteur pour les barman, par exemple, quand on a besoin de quelqu'un et qu'on a besoin d'un barman, ben c'est facile aussi, il y a une application d'avoir quelqu'un pour 2 heures, on voit que ça va se développer pour garder des gens à domicile, à la garde à domicile, etc. Ça va se développer et on voit également qu'avec le développement du télétravail depuis la crise Covid, ça va également être un danger que pas mal d'employeurs vont se dire « est-ce que j'ai besoin d'une force de travail salariée ?» Où est-ce que je peux transformer certaines tâches en avoir un pool de personnes à qui je peux le proposer, et évidemment ce seront des indépendants à qui je les paierai moins. Donc, dans ce contexte-là, nous, on va avoir des propositions fortes. Ça a été dit en partie par Brahim. On est sur la même position qui est qu'on doit partir de la présomption du salariat. Présomption de salariat pour tous les travailleurs de plateforme, pas seulement les travailleurs hors ligne, mais travailleurs aussi en ligne. Parce que, par exemple, des travailleurs sur des plateformes qui prennent des tâches de traduction, par exemple, aujourd'hui sont peut-être réellement indépendants. Mais en fait, la particularité du travail
de plateforme, c'est que du jour au lendemain, les conditions générales de la plateforme peuvent changer. Et donc, même pour ceux qui sont aujourd'hui réellement indépendants dans leurs tâches, du jour au lendemain, ça va pouvoir changer si la plateforme se dit « je peux l'organiser mieux ». Et donc, la présomption de salariat permet, elle, de protéger tout le monde, que l'on soit salarié ou indépendant, parce qu'elle permet d'obliger de prouver à la plateforme que vous êtes indépendant si elle le dit tel quel. Et ça, ça nécessite, avec la présomption de salariat, d'avoir un renversement de la charge de la preuve par la plateforme, qui doivent apporter la preuve qu'il n'existe pas de relation de travail. Je pense que ça a été abordé aussi en partie avec la question de l'inspectorat du travail. C'est important de renforcer les inspectorats, mais je pense que ce n'est même pas suffisant, parce qu'en fait, on ne doit pas attendre que l'inspectorat aille voir toutes les plateformes pour voir si elles respectent. On doit demander aux plateformes de faire une demande et de prouver réellement qu'au moment où elles veulent organiser une activité économique sur les territoires, qu'elles classifient bien les travailleurs et qu'elles ne puissent pas, que ce ne soit pas du coup a posteriori aux inspections du travail qu'on sait qui aussi, avec les austérités dans les finances publiques, sont sous pression, qu'on ne soit pas toujours trop tard, parce que les plateformes sont toujours en avance et les régulations sont toujours en retard. La présomption du salariat, le renversement de la charge de la preuve et la demande d'agrégation, d'agrément, entre guillemets, sont trois éléments qui permettent de justement être en avance sur les plateformes. Si elles changent leur modèle, elles doivent quand même passer par ces trois éléments. Donc ça, c'est pour nous clé. Ça, c'est par rapport au statut du travailleur. Deuxième grosse question, c'est la question de la plateforme. C'est que qu'il y ait un indépendant ou un salarié, en fait, on a besoin de dire qu'est-ce qu'une plateforme. Une plateforme, ce n'est pas juste une application, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise qui fait de l'activité économique, qui, si elle a des salariés, est un employeur. Et l'application, ce n'est pas juste un outil technologique, et ça a été dit en partie, c'est un outil de management. Et donc, c'est le contremaître du travail digital. Dire dans une usine, vous aviez un contremaître. Aujourd'hui, vous avez une application. C'est exactement la même chose. Ça organise le travail et de manière encore plus efficace. Donc, de manière encore plus orientée pour faire le plus de profit. Mais ça pourrait même être utilisé de manière positive pour les travailleurs en anticipant les risques de santé et sécurité, parce qu'il y a énormément de risques que les gens prennent. Si je prends un chauffeur ou que je prends un livreur à vélo, il y a beaucoup de risques qui pourraient être anticipés par rapport au trajet avec la connaissance des risques sur le trafic. Donc, l'outil algorithmique peut être un outil. On me dit que mon temps est fini, donc je ne vais pas aller sur la question du troisième statut, qui a été assez clair. On est contre un troisième statut. Je dirais juste par rapport à ça, c'est qu'on a un risque au niveau européen, c'est que pas mal d'acteurs disent « Ok, on va donner de la protection sociale aux travailleurs indépendants, ok, on va donner de la négociation collective aux travailleurs indépendants, mais ne parlons pas trop du statut d'emploi ». Pour nous, c'est impossible de ne pas parler du statut d'emploi si on parle de protection sociale et de négociation collective. Parce que la protection sociale, si on est indépendant, il faut bien savoir la payer. Donc, il va bien falloir que la plateforme, elle, vous paye aussi pour que vous puissiez la payer si vous êtes réellement indépendant. Et si vous êtes salarié, c'est à elle de la payer. La même chose avec la négociation collective. Si vous n'êtes pas salarié, quelle est votre protection pour pouvoir réellement avoir un accès à la négociation collective? On sait bien qu'un travailleur qui peut être déconnecté ne va pas facilement s'organiser. Donc ça, je pense que c'est une clé aussi pour la suite. Alors, je conclue avec pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une action européenne? Évidemment, on a besoin d'une action européenne parce qu'on voit que l'Espagne prend par exemple une loi, mais la plateforme peut tout à fait faire son chantage et dire « je vais partir ». Elle peut tout à fait dire « je vais aller dans un autre pays ». Et donc, on a besoin d'une action européenne pour aussi empêcher ce chantage des plateformes et pour permettre qu'on assure réellement les droits des travailleurs dans les plateformes. Mais il faudra faire attention à ce que cette initiative européenne, ce ne soit pas une initiative qui contraigne dans le sens où si elles empêchent les États de donner des droits forts, c'est aussi possible que la Commission aille vers ça. Ça sera justement problématique pour l'avancement. Si elle dit juste protection sociale et négociation collective, ça pourrait être problématique pour la reconnaissance du statut d'emploi. Donc, il faudra s'assurer qu'on respecte la négociation collective. Il faudra s'assurer qu'on respecte les législations nationales et que le minimum des droits soit accessible et qu'ensuite, les États puissent aller plus loin, mais que ce ne soit pas contraignant aux États et que ça les empêche d'accorder les droits aux travailleurs.
Voilà, désolé pour le délai. Merci beaucoup, Ludovic, mais de toute manière, il y aura encore la place pour des prises de parole au moment de la discussion générale. Il y a eu quelques questions dans le chat. Donc, maintenant, je me tourne vers vous, Kim, pour votre prise de parole avec le point de vue du côté du Parlement européen, cette fois. Merci beaucoup. À vous. Je vous donne la parole pour 7 minutes. Thank you so much. And, merci beaucoup. Merci beaucoup à Leïla qui m'a invité à participer à cet événement. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, très utile, donc merci beaucoup. Et très souvent, Leïla et moi, nous combattons côte à côte quand il s'agit d'entreprises, de multinationales qui croient qu'elles peuvent imposer leur vision du droit. Les plateformes, en fait, c'est une idée de multinationales pour avoir accès à du travail peu cher en contournant les lois. Les plateformes qui prétendent que leurs partenaires, leurs soi-disant partenaires, sont absolument ravis de la flexibilité qui leur est donnée, se bercent d'illusions, et c'est effectivement au gouvernement des différents pays de protéger les droits. Je pense que donner la parole aux travailleurs est absolument fondamental. C'est comme ça que nous comprendrons bien ce qui se passe sur le terrain et que nous pourrons avancer dans la bonne direction quand il s'agit de concevoir une nouvelle législation. Parce que croyez-moi, les multinationales ont quelque part souvent une longueur d'avance. Nous avons entendu ce que nous disent des travailleurs de plateforme, chauffeurs de plateforme partout dans le monde. Les chauffeurs VTC nous montrent quelle est la fragmentation, la parcellisation des tâches et les coûts sur leur santé et leur bien-être. Alors, il y a là une évolution sur le marché du travail et il est impossible d'aller davantage dans ce sens. C'est pour cela qu'il est impératif d'introduire un cadre réglementaire le plus vite possible. Un certain nombre d'affaires judiciaires ont été évoquées et ce que disent les tribunaux nous montre dans quelle direction aller quand il s'agit de réglementer les plateformes. En 2017, il y a déjà eu un arrêt, mais Uber continue à prétendre que non, en fait, ils sont une gentille entreprise partenaire. Et puis, il y a également l'arrêt rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni, ainsi que de nombreux autres arrêts dans de nombreux pays qui montrent que les chauffeurs doivent se voir reconnaître le statut d'employé. Et j'aimerais maintenant m'attarder peut-être sur ce qui s'est passé le mois dernier. Aux États-Unis, une cour de district, aux Pays-Bas, l'interprète se corrige, cour a exigé que Uber réattribue leur licence à 6 chauffeurs. Alors, comme il a été dit également, ces entreprises sont des multinationales qui ont des ressources financières très vastes. Comme Leïla l'a dit, Uber et d'autres entreprises de l'économie partagée savent qu'en fait, il va y avoir une réglementation. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils avancent leur pion et qu'ils font du lobbying pour s'assurer que la loi leur est favorable et que leur modèle d'affaires est en fait... se trouve comme par magie conforme à la loi du travail. Donc, nous devons vraiment faire attention à ne pas nous laisser avoir par ces entreprises. Et je pense qu'il est très, très important de faire en sorte que nos collègues au Parlement européen ainsi que la Commission européenne ne soient pas dupes des arguments avancés. Nous savons que très souvent, les chauffeurs sont instrumentalisés, utilisés par ces entreprises pour donner une image fausse du modèle d'affaires. La Commission européenne a dit qu'elle ferait sa proposition législative à la fin de l'année. Les consultations avec les partenaires sociaux sont en cours. Et puis, nous savons que les discussions au sein de la Commission ont lieu. Nous travaillons d'arrache-pied au Parlement européen à l'élaboration d'un rapport. Et en tant que co-législateur, ce que nous dirons, la position que nous prendrons sera fondamentale. Je pense que la question du statut sera fondamentale. Les coordinateurs fictifs sont favorables à l'assomption de salariat et je pense qu'il y aura encore des cas d'arbitrage dans les années à venir. Nous espérons que, en fait, ce modèle de la présomption de salariat sera aussi adopté par les entreprises elles-mêmes. Pour moi, quand ça fait coin-coin et quand ça marche comme un canard, eh bien, c'est un canard.
En fait, nous nous battons ici pour que les droits des travailleurs, leurs droits complets soient respectés. Donc, quand nous allons commencer à négocier, nous devons garder ce cap. Mais travailler sur le statut ne va pas être un remède à toutes les difficultés du travail sur les plateformes. Pour ce qui est de la santé au travail, pour les clauses de non-concurrence, ainsi que pour la transparence des algorithmes, il y a beaucoup à faire encore. Cela d'ailleurs a été soulevé par d'autres orateurs. Nous savons quel est le rôle néfaste pour les travailleurs des algorithmes. C'est quelque chose qui finalement se fonde sur une surveillance permanente du travail des travailleurs. On vérifie où ils sont, il y a de la reconnaissance faciale, etc. etc. Et je pense que là aussi, nous devons agir. Il faut que cela rentre, que nous abordions le problème des deux côtés, le code du travail et également réglementation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été reconnue par la Commission comme un domaine de haut risque. Donc, je pense que c'est là un pas dans la bonne direction et que nous devons pousser à la route dans ce sens-là. Nous devons nous assurer qu'une future directive définissent très précisément quels sont les droits d'exploitation, la portabilité des droits et la co-gouvernance des algorithmes. Je crois qu'il est vraiment très, très important que tout cela soit clairement défini dans la future législation. C'est là la première bataille à livrer pour l'avenir du droit du travail et le marché de l'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim. Alors, je pense qu'effectivement, vous avez clairement posé le décor. Ce que je propose, c'est d'ouvrir maintenant un temps de discussion, d'échange entre l'ensemble des participants au webinaire, de joindre les deux voix. Et déjà, je vois qu'il y a eu deux questions qui ont été posées sur le chat, mais je pense que vous y avez en fait déjà répondu. Donc, une en particulier qui s'interroge sur le fait de savoir s'il est possible de mettre la possibilité pour les travailleurs de co-gérer les algorithmes dans la directive, et puis celle sur le droit de la négociation collective, donc dans le cadre de la directive. Et ensuite, je vois que Tito et Brahim ont levé la main. Donc, je propose de prendre deux questions supplémentaires. Donc, Tito et Brahim, je vais vous écouter, et aussi IOID. Et donc, ensuite, vous répondrez les uns et les autres conjointement à ces questions. Tito. Bueno, yo lo que les pediría, más que una pregunta. Alors, au-delà de la question, ce que je voudrais vous demander, et je crois que dans cette directive, toutes les plateformes vont jeter leur force dans la bataille pour faire pression, pour influencer le contenu. Et je crois que l'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. La population, la rue, la mobilisation. Ce n'est que grâce à la mobilisation que nos représentants dans ces négociations pourront nous faire entendre et pourront nous tenir informés de ce qui se passe aussi. Au niveau politique et... Je sais que ce ne sera pas facile, mais là où il y a des confédérations syndicales partout en Europe, s'il vous plaît, depuis Barcelone, ce que je vous demande, et ce que je vous dis, c'est que nous serons à vos côtés pour ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas contrôler ça. Et les partis politiques vont voter au Parlement, seront soumis à notre pression dans nos pays, dans nos États, pour faire pencher la balance en faveur des travailleurs. C'est indispensable, il faut cette pression. Alors, je ne connais pas l'arithmétique parlementaire au Parlement européen. Je ne connais pas le rapport de force droite-gauche, centre. Je suppose que le centre est fort. Je suppose qu'il y a aussi de la gauche. Mais toute la gauche doit être à nos côtés. Tenez-nous informés. Ça, c'est important. Nous dépendons de vous. Vous êtes notre voix dans cette enceinte. Et voilà pourquoi ce réseau international est si important. Et chez nous, en Catalogne, nous sommes les seuls à pouvoir nous faire entendre et nous faire écouter. Vous pouvez compter sur notre soutien.
Merci beaucoup, Tito. Enfin, je réponds à la place des autres interlocuteurs qui vont certainement réagir après. Donc, Brahim, je te donne la parole. Alors, moi, j'ai une question. N'est-il pas possible, déjà, deux choses, alors, deux questions plutôt. Alors, premièrement, de créer une autorité de régulation, donc justement, de ces plateformes, qui aurait pour mission, justement, de voir ce qui se passe du côté des algorithmes, collecte des données. Donc, je pense qu'on a les outils quand même dans l'Union européenne pour mettre ça en place. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce que je vois que Tito a quand même utilisé une technique qui n'est pas connue de tous, on est en train de mettre ça en place, qui est la technique de rétro-ingénierie, qui permet justement de comprendre le mécanisme de la plateforme. N'est-il pas possible de le faire à l'échelle européenne, tout simplement, puisque aujourd'hui, on a une plateforme qui nous donne des ordres. On n'a pas de transparence justement sur les fonctionnalités de cette plateforme-là. Est-ce qu'il n'y a pas des manquements de la part des plateformes? N'est-il pas vraiment possible de mettre ça en place? Ensuite, je reviens aussi sur l'importance de ce qu'a dit Tito et je rejoins son discours. Et je trouve ça magnifique d'entendre ça chez les taxis. On en a quelques-uns qui partagent ça en France. On aimerait avoir ce discours qui se propage donc, un peu partout dans l'Union européenne parce que voilà, on mène quand même le même combat, c'est de réguler, hein, réguler donc, les secteurs, c'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où il y a une régulation, on pourra justement obtenir des résultats. Et nous, on avait l'idée justement pour soutenir cette directive européenne de se mobiliser donc, un peu partout. J'en ai déjà discuté avec quelques représentants qui sont parmi nous et je pense qu'il est essentiel de préparer cette année une mobilisation très très forte. Et je vous le demande sincèrement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour soutenir cette directive. Et il ne faut pas dire aujourd'hui que la mobilisation ne sert à rien. En France, on l'a prouvé. On l'a prouvé à travers donc, cette manifestation. On est resté trois mois à bloquer les bureaux d'Uber. C'était une première mondiale. Trois mois, il pleuvait, il neigeait, il faisait froid. Et on a partagé cette souffrance. Et on a vu que... Ce qui nous faisait plaisir, c'est quand Uber nous appelait le week-end en nous suppliant limite. Je peux vous dire, ça nous faisait vraiment plaisir d'arrêter, de cesser ces manifestations. Il faut croire au pouvoir des manifestations. Quand vous bloquez, quand vous manifestez, ne dites pas que ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Ça sert parce que vous sensibilisez l'opinion publique, vous sensibilisez les élus, vous sensibilisez le monde entier. Tout le monde vous observe. Et on l'a vu, nous, dans notre mobilisation, jusqu'à ce que Vice Magazine fasse un article aussi sur cette mobilisation qui a pris de l'ampleur. Donc, on ne peut pas dire que voilà, la mobilisation ne sert à rien. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument, et il est nécessaire et essentiel d'accompagner cette directive européenne à travers une mobilisation très forte pour dire attention, attention aux autres groupes, parce que nous sommes là. Nous sommes là et nous ne nous laisserons pas faire. Si jamais les directives ne vont pas dans notre sens, nous serons là, mobilisés. Et je pense qu'il faut absolument le faire avant justement donc, la fin de cette directive pour justement leur montrer notre puissance. Et j'invite tout le monde justement à pouvoir se concerter prochainement à une future mobilisation. En tout cas, nous, la France, on sera là et on soutiendra tous ceux justement qui souhaitent donc, nous accompagner justement dans cette future mobilisation européenne. Voilà, merci. Merci beaucoup, Brahim, sur ce message très clair sur la construction du rapport de force qui précède la négociation. Et Ayouadé et Brahim, je vous laisse la parole. Et ensuite, je propose que Natalia, Kim et Ludovic, vous réagissiez à ces premières questions et réactions. Ayouadé et Brahim, je vous donne la parole. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, il est inutile de répéter de nombreux points excellents qui ont déjà été soulevés. Mais voyons maintenant ce qui se passe en Afrique. Nous pouvons nous inspirer de ce qui se passera en Europe pour faire avancer nos droits en Afrique. Au Nigeria, quand on veut
faire avancer la reconnaissance des droits sociaux, nous pouvons nous inspirer des actions entreprises en Europe, de la mobilisation collective. Le son de l'orateur est malheureusement mauvais. Il est très important de s'assurer que les plateformes soient réglementées et qu'il y ait des autorités de surveillance. Il est important de savoir comment elles fonctionnent, d'aller voir les rouages des algorithmes. Voyons par exemple comment Uber opère au Nigeria et également quel est le partage de la rémunération. Il y a un deuxième aspect, c'est celui de chauffeurs secondaires. La conséquence de ce que fait la plateforme, c'est de réduire le revenu des chauffeurs VTC. Nous savons que la plateforme se fait de l'argent sur notre dos. En 2014, quand Uber s'est installé à Lagos, il faut reconnaître que cela a amené de l'argent. Et cela nous a permis de nous développer, d'acheter des voitures, etc. Mais ensuite, quelques années plus tard, notre revenu a été réduit de 40%. Et donc, au Nigeria, c'est en fait véritablement une question de répartition des bénéfices. Et donc, un modèle qui révolutionne la situation avec une large acceptation sociale et la manière dont nous pouvons avancer. Et cela s'applique au Ghana, au Kenya, à l'Ouganda. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences entre ces pays. Et si les États-Unis, si aux États-Unis, Uber peut dépenser 40 millions de dollars pour lutter contre la proposition 22, vous pouvez imaginer avec ces montants phénoménaux ce que cela peut donner en Afrique. Et si au Royaume-Uni, un arrêt rendu par la Cour suprême n'est pas mis en œuvre, là encore, imaginez un peu quel est le respect dont fera preuve Uber vis-à-vis d'arrêts rendus par une cour au Nigeria. Ce qu'il faut, donc, c'est agir collectivement de manière transnationale. J'aimerais vous donner un exemple de ce que j'ai en tête ici. Certes, ils vous fournissent une formation, mais ensuite, c'est à vous d'investir afin de pouvoir travailler pour Uber. La voiture moyenne coûte 2,5 millions de la devise locale. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent si vous l'employez autrement. Il est donc important que nous puissions protéger notre investissement qui nous a permis de travailler pour cette plateforme. Et
avoir une approche mondiale est quelque chose qui va nous permettre partout dans le monde de lutter contre ce genre de multinationales qui sont persuadées d'avoir tous les atouts dans leur jeu. Et puis, l'opinion publique doit aussi jouer le jeu dans un même pays. Quand vous voyez que un produit donné fait de la concurrence au vôtre, eh bien, on comprend mieux ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé en Californie. Dans chaque pays où Uber s'est déjà établi, où il compte s'établir, il faut effectivement qu'il y ait un cadre réglementaire qui les oblige. Ibrahim, je suis désolée, je vais être obligée de vous interrompre, non pas parce que ce que vous dites est très important, mais c'est parce que le temps avance et qu'il faut que je puisse redonner la parole à nos intervenants, les acteurs européens, pour qu'ils réagissent aussi aux éléments qui ont été apportés dans la discussion, et puis pour tout simplement aussi permettre de clôturer ce webinaire, puisqu'il est déjà 5h moins le quart et que nous avons en fait effectivement encore très peu de temps, que nous ne pouvons pas dépasser 17h, vient de me rappeler Manon. Donc Natalia, Ludovic, Kim, je vous redonne la parole pour répondre et réagir aux différents éléments qui ont été apportés. Natalia, si vous voulez démarrer. With general remarks or... Pour des remarques d'ordre général, ou est-ce que vous pourriez éventuellement préciser ce dont vous souhaitez que je parle? C'est-à-dire réagir aux questions qui ont été posées par les différents panélistes. Yeah, so with respect to the unionization and bargaining protections, yes. There Alors, is... en ce qui concerne notamment la possibilité de négociation et la possibilité de se syndicaliser, eh bien, je pense que Ludovic pourra nous en dire plus, mais en tous les cas, il y a eu une initiative distincte sur la capacité de négociation des employeurs qui travaillent leur compte. En tous les cas, nous, en tant que syndicat, il faut bien entendu que nous ayons le soutien des utilisateurs, donc des passagers, parce que Uber, oui, c'est facile, nous le savons tous. Par exemple, samedi dernier, c'était le premier jour où on pouvait de nouveau aller prendre un verre en terrasse, et je leur disais, je disais à mes amis, oui, vous savez, on va essayer de faire quelque chose pour que Uber n'abuse pas. Et ils me disent, formidable, formidable. Et puis, en fait, on s'est venu en fin de soirée. Et puis là, tout d'un coup, mes amis me disent, on peut peut-être te commander un Uber. Vous voyez, il y a comme une dissonance cognitive, littéralement, entre ce que nous faisons tous et ce que les gens pensent. Donc, nous devons vraiment faire un gros travail de sensibilisation et un gros travail de communication. Uber, ça a l'air cool sur le papier et c'est pratique, mais pas tant que ça. Voilà ce que je voulais dire pour répondre. Merci. Merci beaucoup, Natalia. C'est effectivement très clair sur la sensibilisation de l'usager. Je te passe la parole, Ludovic, pour tes réactions. Oui, donc merci pour les réactions. Je pense qu'en effet, comme ça a été dit, la question de la mobilisation, elle est importante pour renforcer justement la pression sur le processus, parce qu'aujourd'hui, grâce aux mobilisations précédentes, on n'entend pas de mobilisation de pro-Uber. Donc, je n'ai jamais vu une manifestation de 1000 personnes qui sortaient dans la rue pour dire « ce modèle est vraiment génial, continuez à le faire ». Par contre, il est très clair pour la Commission européenne aujourd'hui que le narratif, il y a des actions qui se passent partout, tous les jours, pour montrer à quel point c'est un problème. Et donc, le rapport de force, il est créé par vous sur le terrain et par les actions qui sont faites. Et je pense que ça, c'est vraiment à renforcer. Autant avant aussi dans le narratif, pas mal d'acteurs disaient
le nombre d'arrêts des cours, ils vont certaines fois dans un sens, certaines fois dans un autre, c'est pas toujours en faveur de la requalification, etc. Autant maintenant, il y a quand même plus beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de problème de reclassification. Donc, je pense que la pression, elle est vraiment importante à continuer à faire. Et elle va être importante, pas seulement pour dire qu'il faut une directive, mais aussi pour l'implémentation. Et donc là, deux éléments de ma part, c'est que dans la discussion, il va y avoir la proposition de la Commission, il y aura ce que le Parlement va faire, mais ce qui va beaucoup déterminer la position finale, c'est en fait ce qui se discutera au Conseil. On sait très bien que c'est les États qui, après, discutent au Conseil et qui diminuent toute ambition sociale dans leurs négociations. Et donc, c'est là aussi que vous avez un accès plus rapide à vos gouvernements, que c'est plus facile de faire une mobilisation nationale que des mobilisations transnationales, même si elles sont importantes aussi, mais de mettre la pression sur les mandats que les gouvernements vont avoir dans ces négociations. Et je pense que c'est particulièrement important de suivre aussi l'implémentation, parce qu'on voit que si je prends le cas de l'Espagne avec Glovo qui est obligé de maintenant salarier ses travailleurs, j'espère que ce sera réellement le cas, on voit très bien que directement ces plateformes elles trouvent des moyens de contourner ça en disant bah, en fait je vais demander à une agence, une sorte d'agence hein, virtuelle, d'organiser les travailleurs et moi je demanderai à cette agence de me donner les travailleurs. Et donc en fait après le faux travail indépendant, ce qu'on est en train de vivre, on va avoir le faux travail intérimaire, le faux travail temporaire. Donc, il faudra aussi faire la pression sur, pas seulement les plateformes, mais sur, au niveau national pour une implémentation correcte des différents principes. Et là, je pense que une des idées qui est intéressante dans ce qui a été apporté au tout début de la discussion sur ce qui se passe à Barcelone, c'est vraiment positif, je trouve, qu'à Barcelone, il y ait une application des taxis qui empêche du coup Uber, et que ça va arriver dans les mois à venir, et qui empêche Uber du coup de se développer. Et je pense que là, c'est aussi le rôle, ce qu'on doit voir comme rôle des services publics, rôle pour le futur, c'est que depuis le début du Covid, en fait, on a donné beaucoup d'argent à toutes les entreprises pour qu'elles puissent continuer à survivre. On n'a pas pensé à ce qu'on pouvait développer pour permettre justement de survivre. Et ce serait plus intéressant dans les villes où on a arrêté complètement la distribution, la livraison, etc., de se dire comment est-ce que je peux aider les entreprises à livrer en créant un service public de livraison avec des travailleurs peut-être publics ou privés, mais soutenus par le public également, avec des travailleurs bien payés, de se poser ces questions-là en termes de services publics de laisser faire et de donner des centaines de milliers d'euros aux entreprises. Donc là, je pense que les municipalités, les grandes villes, elles ont aussi un rôle en termes d'aide aux entreprises et qu'elles pourraient piloter justement face à la digitalisation de l'économie. Merci beaucoup, Ludovic, effectivement, sur cet aspect qui a été abordé à plusieurs reprises dans la discussion. Donc, je vous laisse la parole, Kim, pour votre réaction. Et après, je proposerai directement à Brahim et Leïla d'embrayer sur votre conclusion, que du coup, je vous demande de faire plutôt succinct, puisqu'il nous reste exactement 7 minutes en tout avant la fin de ce webinaire. Kim, c'est à vous. Thank you very much. I'll try to keep it. Merci beaucoup. Je tenterai d'être succincte. Alors, nous avons entendu bon nombre de commentaires aujourd'hui. Tout ce qui a été dit a été très intéressant. Les contributions des acteurs en dehors de l'Union européenne étaient également très pertinentes. Je me sens encore plus sous pression de ne pas me manquer. Cette directive est importante pour créer un exemple pour le reste du monde, pour insuffler une transformation dans la manière dont ces entreprises gèrent et traitent leurs travailleurs. Lorsque nous abordons les questions qui ont été posées dans le chat, la négociation collective pour les indépendants, ça c'est bien, mais il ne faut pas confondre ça avec la négociation collective pour les faux indépendants. Si on est employé, on peut être couvert par des droits. Il faut bien veiller à ce que la catégorisation des travailleurs soit précise et exacte. À présent, les aspects numériques.
Si nous évoquons nos infrastructures publiques, nous devons également veiller à ce que nos infrastructures publiques soient correctes pour ne pas être éblouis par les histoires miroitantes de ces algorithmes, de ces applications, parce qu'en réalité, là, c'est bien différent. Il faut véritablement voir ce qui se passe. Quel est l'enjeu? La santé, la sécurité, la protection sociale de personnes qui travaillent dur, d'arrache-pied, au quotidien. Et cela, cette exploitation doit cesser. Nous allons nous concentrer sur cela. Et je me félicite d'avoir entendu toutes vos perspectives et je me réjouis de pouvoir continuer à travailler avec vous à l'avenir. Merci beaucoup, Kim. Je propose que Brahim et Leïla vous concluiez. C'est chacun votre tour, donc Brahim, puis Leïla, ce webinaire. Rapidement, si vous pouvez. On va faire l'inverse, finalement. On fait l'inverse. Je vais commencer rapidement, une conclusion rapide, parce qu'on va finir absolument à 17h, et puis ensuite, Brahim conclut. Je voulais dire merci, un grand, grand merci à toutes et tous pour ces échanges. C'était vraiment très, 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 très riche, aussi bien la dernière partie avec les acteurs de l'Union européenne et puis tous ces échanges avec ces travailleurs, ces travailleuses du monde entier. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, en fait, quand j'entends des échanges comme ça avec des travailleurs qui sont pas, pour qui il n'est pas la même heure, qui ne sont pas du tout dans le même fuseau horaire là en ce moment, c'est comment chacun parle une langue différente pour raconter la même chose, pour faire le même constat, pour raconter les mêmes revendications. Demander finalement à être respecté de la part de plateformes. Et tout ça, c'est des choses qui ont mis en évidence, en fait, la nécessité, dans notre travail, qui va être le nôtre là, dans les semaines qui viennent au Parlement européen, une nécessité qui va être l'objet de la directive, c'est d'encadrer les plateformes. Alors, ça a été dit de différentes manières, hein, poser des limites, les forcer à respecter la loi, les encadrer. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort de toute votre intervention. Et puis, un autre élément, c'est la question du rapport de force, je crois, et la nécessité de faire pencher la balance, comme tu le disais, Tito, de faire pencher la balance dans le rapport de force, dans le sens des travailleurs. Et je crois que ce webinaire, c'était aussi un moyen de faire pencher le rapport de force du côté des travailleurs. Alors, Brahim l'a dit, Tito l'a dit, vous avez été plusieurs à pointer l'importance de la mobilisation. Ce qui est important dans tous les propos que vous avez eus et qui va nous aider, qui vont nous aider, Kim et moi, dans le travail au Parlement européen pour mener notre travail parlementaire, c'est bien évidemment toute l'expertise que vous avez amenée, mais c'est aussi le rapport de force, c'est aussi les mobilisations. Parce que ça, je vous assure que ça nous aide réellement quand on va voir le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, quand on va voir les autres groupes politiques, et bien quand on leur dit, il y a deux jours, j'étais à une mobilisation avec les VTC devant la représentation de l'Union européenne à Paris, où il y a trois mois, on a organisé un forum où il y avait des travailleurs de toute l'Europe et du monde entier. Ça pèse beaucoup plus que si on leur dit on a réfléchi tout seul dans notre coin et puis comme ça, sur un coin de page, on a réfléchi aux propositions. Une dernière chose, je retiens une phrase que tu disais, Tito, aussi, tu as dit au début de ce webinaire, si on continue de travailler ensemble, on va donner la migraine aux plateformes. Et ça, je crois que c'est vrai et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Que l'ensemble, là on était sur un webinaire VTC, mais que l'ensemble des victimes de l'ubérisation, que ce soit les travailleurs, les livreurs à deux roues, les VTC, mais également les taxis victimes de l'ubérisation vont travailler ensemble. Comptez sur nous pour travailler ensemble, en tout cas, au Parlement européen, travailleurs, syndicats et l'ensemble des acteurs. Et je m'arrête là pour laisser la parole à Brahim. Je n'ai pas eu le temps de remercier tout le monde et de remercier Odile aussi pour l'animation, mais je stoppe là. Pardon, Brahim. Merci, Leïla. Brahim. Alors, très court. Hein. Déjà, je vais remercier déjà Madame la députée, Leïla Chebbi, tous les intervenants et intervenantes. Je remercie donc Odile, Chani et Manon Cléo qui ont fait un formidable travail. Je le dis clairement, hein, ça a été vraiment une réussite et je les remercie parce que voilà, si elles n'étaient pas là, je ne pense pas qu'on aurait pu aboutir à ce formidable webinaire. Je tiens vraiment à dire qu'il faut aller dans la continuité de ces échanges. Plus tard, il faut absolument qu'on puisse retravailler ensemble parce que voilà, ce n'est que la première partie donc d'un long travail et il faut absolument, pour donner le dernier mot de la fin, que nous puissions nous unir justement pour essayer de faire de cette directive européenne une réussite pour tous, tout simplement. Merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup.
Voilà, merci, c'était le mot de la fin. Donc, je ne sais pas qui arrête le webinaire. Je n'ai pas la main dessus. Donc, je vous remercie tous. Et donc, au revoir tout le monde. Bonne continuation pour ceux qui, voilà, préparent directive. Au revoir.